Oui, allô, bonsoir, monsieur le procureur. GG à toi, t'es rookie. Quoi? Ouais, bah ferme ta gueule, ouais, t'es pas cap. Encore un petit dernier ou pas? Fils de pute, va. Allez hop, je t'ai baisé. Excès de vitesse là. Fuck you, ça fait 3 fois, je me fais contrôler. Sur c'est pas côté... marrant, oui, tu fais des excès de vitesse, oui, t'as pas de jambes, oui. Trop marrant. Si vraiment vous voulez me faire souffrir, faudrait que vous en preniez un bijou. Non, vraiment, oui. Quoi? Non, fils de pute! Non, 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 non! Non, non, il a pas dit ça! Ça va pas? Ça va pas, hein? Capitaine, je vous aime trop, capitaine! Pourquoi? Mais attends, mais c'est une dinguerie! Mais ouais. Attendez, je fais une bêtise, boum, vous apparaissez! Ça va, bijou? Ça va, vous, capitaine, comment allez-vous? Ça va. Parce qu'il faut du bruit là-bas, donc je me suis permis de les faire un tir de sommation. Ouais, hein. Oui, c'est vrai, vous avez raison, désolé. Ça va, vous faites quoi ici, capitaine? De con que tu vas prendre une mise à pied dès que le procureur te voit. Hein. Oui, là, ce soir, 48 heures, capitaine, il m'a dit. T'es là ce week-end ou pas? Bah oui, j'étais là, hein, plus. Ah merde! Mais c'est pas grave. Bah c'est la vie, hein! Pour une semaine, du coup. Une semaine? Oui. Pourquoi? Mais non, je plaisante. T'es avec qui en patrouille? Là, c'est avec Saint-13, il arrive. Ouais. Allez, bonne patrouille, mon lapin. Bah venez. Non, t'inquiète. Non, venez. C'est comme si vous en preniez au pigeon voyageur. Vas-y, grimpe, 6-9. Allez, bisous. Allô, ça va? Moi, je suis le transmetteur, moi. Je transmets les informations. Mais tu parles à qui? Je parle à Zéro. Si tu as ces informations-là, c'est que tu es au courant, du coup. Résidif par rapport à quoi? Par rapport à quoi? En gros, moi, des retours que j'ai eu, c'est pour la fusillade. Les gars, je le rends fou, un peu. Pour la prise d'otage sur le gouverneur. Je le rends fou, les gars. C'est un membre d'une grande organisation. Oui, mais un truc comme. Les malos ont eu la même chose que vous, là, du coup. Oui, sauf que les malos, du coup, leur loi Rico, elle a sauté hier, vu que le gouverneur a été arrêté. Attends. Du coup, la preuve devant Bonsu, c'était un putain de. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Leur loi Rico, elle a pas. Arrête 6-9. Leur Rico n'a pas. Non. Non, j'étais sur le rendez-vous avec les malos. Bah écoutez, arrête 6-9 là, je parle sérieux 6-9 là. Oui, bah oui. Parlez au juge, moi je décide pas, et là il va y avoir une haricot sur vous pour tous les méfaits que vous avez causés. Il a dit parle sérieux les gars, après 20 bannes. Ok, ça marche, vas-y, carré. Voilà, on va vous attraper. Ah bah ça va 6-9? Ça va et toi, collègue? Mais 6-9, t'as raté un truc de fou là. Oh là là, ça y est. Ça y est, je me réveille, on me dit j'ai raté un truc de fou. Toi, non, tu me dis ça. Non, mais t'as raté un truc. Il s'est passé quoi? Il y a le barrage qui a explosé. Hein? Oui. Et qui a fait ça? Et qui a fait ça? Ben, je sais pas qui a fait ça. C'était les membres du gouvernement. Ils ont fait exploser le barrage. Ils ont fait exploser le barrage. Attends, vas-y, fonce, on va voir. Vas-y, j'y vais. Merde! Et comment c'est passé? Qui a fait ça? Ben, en gros, c'est pas en fait le Rio du. Le Rio du gouverneur, il a commencé à prendre sa route tout seul. Il y a le barrage et d'un coup ça a pété. Moi j'ai pas vu ce qui s'est passé. Encore un coup de tu sais qui? Ouais, du gouverneur je pense. Ouais. Enfin, du gouvernement quoi. Tu penses à eux toi aussi? Comment? Tu penses à eux toi aussi? Bah oui, je pense à eux. Non, oui. De quoi? Peur. Encore un coup de hein? L'étagine? L'étagine. Vas-y, je vous attends juste devant le poste. Le pays, Gilles. Quelqu'un a revendiqué l'acte? Il y a un état qui s'appelle Gilles. J'ai été récupéré par 42. Non, ouais, pas mal celle-là. Il avait une barbe? Non, pas de barbe, je crois. Si le gouverneur avait une petite barbe. Ça m'étonne pas, ouais. Bizarrement. Noé 150, on fait le tour des canaux, voir si tout se passe bien. T'as passé une bonne soirée sinon? Déjà, tu vois l'eau là? Comment ça l'eau? Ah c'est là! Oh merde! Et regarde à gauche là, il y a une autre partout là. Oh incroyable, attends la lumière c'est incroyable. Ah oui? Ah ouais, attends, ouais. Va au barrage. Mais attends, mais on met des barrières de peur pour que les gens ils passent à côté. Attends, la pistole je vais la niquer là. Vas-y. Sois un de fou, s'il te plaît. Un nerveux de fou. Oh. Oui. Vous avez pas vu les barrières? Il a explosé en mille morceaux. Non, vous avez pas vu les barrières. On est sous ta gueule là. Merde, non, vous prenez pour un con. Non. Yes. Pourquoi il y a des barrières? Je vais redescendre, désolé. Dégagez avant que je vous dégage. Désolé. Allez, hop, on circule là. Oh non, t'étais pas assez méchant. Eh oui, mais tu voulais que je passe quoi? Mais t'es trop devenu gentil. Avant, t'étais méchant. Non, je suis pas méchant, je suis ferme. Ah ouais, y a plus. T'as vu, y a plus. Non, c'est une dinguerie. Ouah, non, c'est. Ouah, toi, comment t'es gaze? Oh, bien joué. Regarde, y a plus. 5 sur les. Non! Oh le bateau, t'es pas là! C'est incroyable! Il s'amuse, hein! Purée, c'est trop bien! Vas-y, fais avancer avec la voiture! Et en plus, t'as vu. Non. Et en plus, t'as vu qu'il fait froid? Ça va geler!
l'eau elle va geler et on va pouvoir faire de la patinoire, j'ai entendu. Quoi? Ouais. En gros, toute l'eau elle va être gelée et on va pouvoir faire de la patinoire. Ça peut être dinguerie? Après, mais comment c'est faisable techniquement ça? Enfin, ah oui, non, pardon. Quand t'es en dessous de 0 degré, l'eau elle gèle. Oui, voilà. Ah ouais. Non, je suis con parce que nous au Congo on n'a pas ça, on n'a pas d'eau. Oui, je sais, j'ai vu Rasta Rocket. Wouah! Oh là là! T'as jamais vu Rasta Rocket? Oh non, t'as jamais vu Rasta Mais Rocket. Si, avec les bobsleigh! Mais la vue mère, j'ai déjà vu! Oui, ok. Okay. Ah oui, les trois. Hey, tu devais pas venir ce week-end au PDP? Où ça? Ce week-end là, tu m'as pas dit que tu viens au PDP? PDP, bah si, je suis là. Non, mais dans mon appart, chez moi. Non, j'ai dit la semaine d'après. Là, ce week-end, je vais à Marseille et la semaine d'après, je viens. Vas-y, c'est bon. Mais je viens 2-3 jours. Pour pas des. Ou un jour. Ouais, non, tu viens 6 mois. 80 n'est pas en train de. 6 mois? Quoi, c'est un contrat en exclu? Je dois mettre JL tiré du bas aussi. Quel JL? Comment ça, JL? Ah, pardon, désolé. Non. JL, pas JL. Je comprends pas où tu vas venir aussi. pardon, désolé. Non, parce que moi je prends en couille. Faut m'engueuler, faut me punir. Hein. Je peux punir sur quoi? Je comprends pas. Bah, t'es l'eau. Oui. Voilà, bah oui. Mais regarde l'eau. Non, la tête d'homme, c'est incroyable. Attends, je peux tester pour voir si c'est de la vraie eau. Ah oui, c'est de la vraie eau. Attends, je t'embête en bas. Non, mais là, je peux plonger d'ici en vrai. Ah oui, mais tu as galéré à monter. Ouais, c'est vrai. Qui était la dame partner de 80 sur la PO de Ivy? Négatif. Oh merde. Attends, y'a procureur qui m'appelle. Oui, allô, bonsoir, monsieur procureur. GG à toi, t'es rookie. Quoi? Non. Je te jure, t'es rookie. Oh. Pourquoi? Ça y est, oh, cher. C'est signé. J'ai dit, t'arrêtes de m'insulter, tu me dis. Ferme ta gueule. Là, t'as vu, là, t'es rookie, je peux te virer maintenant. Ouais, bah ferme ta gueule, ouais, t'es pas cap. Genre, la vie de ta mère, je suis pas cap. Non, t'es cap, désolé. Là, à gauche, chérie, à gauche, y'a de l'eau. Non, vraiment, oui. Désolé. Non, allez, GG à toi, tu redevras offrir ta first Lincoln. Je suis chaud, en vrai. C'est mérité, je vous ai insulté, c'est mérité. Ah oui, c'est mérité, bah oui, c'est mérité. Encore un petit dernier ou pas? Non, c'est bon. Profite, non, mais profite, t'auras pas plus là, vas-y. Fils de pute, va. C'est mon dernier. Je t'ai baisé. Allez hop, je t'ai baisé. Non, désolé. Attendez. Oh merde, oh, ça mouille. Allez, bisous. Bisous, on fait un bas de minuit là avec Grise. Ce soir, je vous appelle pour la mise à pied. Ok, oh, vas-y, ça marche. Bisous. Je vais te mise à pied ce soir. Ouais, mais alors là, franchement, félicitations. Enfin, attends. Oh. Première fois que je découvre. Ah, c'est un goût de cerise. Ah oui, c'est vraiment de l'eau. Permettez-moi, je peux goûter un peu la fraise. Ah, quelle grâce. Mec, il se trompe d'eau. Bon, moi je me rhabille, j'ai froid. Oh là là, quelle grâce. Oh. Ah oui, franchement, il fait froid avec Noël. Oui, on va geler, bien. Je suis pas loin là. Ouh là là là. On va se réchauffer. Mets le chauffage. Mets le chauffage là. Ouh là là. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien le chauffage, hein. Bah, faut le sortir de Bolingbrook. Attendez, les gars, t'es ma demain. Mec, pas en couille. Il semble que le procureur avait ordonné de laisser à Bolingbrook. Ouh là là. Ah. Ah oui, mais son procès est en 2024, j'étais... Arrête de caresser ma chambre. Non, mais on peut s'y restaurer, vas-y, mais restaure. C'est quoi, capitaine? Ah là là. Putain, j'ai le seum. Oh, c'est de vitesse, là. Fuck you, ça fait 3 fois, je me fais contrôler. Fuck you. Bonsoir, monsieur, sur le bas côté. C'est pas marrant, oui, tu fais des excès de vitesse, oui, t'as pas de jambes, oui, trop marrant. Fuck you. Monsieur, descendez de votre véhicule. Je pars en délit de fuite. Descendez de votre véhicule, monsieur. Monsieur, on va devoir faire les pneus, là. Je pars en course poursuite. Je vous fais les pneus avec ma canne. Riche, mes DRS. Arrête! Monsieur, arrêtez-vous! Monsieur, déjà que vous avez pas de jambes, mettez-vous là! Aïe. Monsieur, arrêtez-vous! Aïe! Allez, mets en évidence! Reste au sol! Au sol! Ah, mais de toute façon, je peux pas me lever, man! Au sol, voilà! Aïe! Oh. J'ai jamais vu! Il y a 3 personnes en train de se. Je pas ce qui vient de se passer! Permis de conduire, pourquoi? Pour fauteuil! Hein? Eh, t'es comme le bonhomme de neige, je peux plus bouger!
J'ai pas besoin de permis de conduire pour le ça, non. Vous avez la carte grise? Non, bah non, c'est l'hôpital qui me l'a prêté. Et par contre, j'ai le permis de conduire. C'est l'hôpital qui vous l'a prêté. Allez, monsieur, on se lève, allez, on se lève. Restez au sol, restez au sol, monsieur. Mais je me remets dessus, je me suis handicapé. Dango 88, bah ouais. Pourquoi vous êtes handicapé? Qu'est-ce qui vous arrivez? Pourquoi tu me cours dessus, toi? Pourquoi il me court dessus? Vous voulez mourir ou quoi? Mais non. T'as pas cousin, calme-toi. C'est des potes à moi, c'est des potes à moi. Ne courez pas dessus, monsieur, ne courez pas dessus. C'est des potes à moi. Je dis à bon, eh, toi aussi, cours pas, hein. Eh, recule, on t'a pas dit d'avancer, toi. Recule avec ta veste bleue. Et qu'est-ce que t'as, cowboy? Vous êtes fou ou quoi? Il t'appelle cowboy, hein. Bon, vous avez fait des arrêts sur vous? Bah non, rien de spécial là maintenant. Vos impôts? Écartez vos bras. Allez-y, hein. Écartez les jambes, monsieur. Ah bah vous pouvez pas. Vous leviez. Madame 08, on reprend. Écartez vos jambes, yo. Fucking Bounty. J'étais en train d'aller à l'église là. Ça veut dire quoi, Bounty? Attends, ça veut dire quoi, Bounty? C'est hyper raciste. Ça veut dire que c'est un noir de l'extérieur mais un blanc de l'intérieur. Oh lolo! Et alors, ça fait quoi s'il était blanc de l'intérieur? Ça fait quoi? Bah, ça veut dire qu'il trahit la communauté, man. Ah non, monsieur, moi. Il est pas solidaire avec les Renois. Alors, tu penses quoi? Je me sens blanc, moi. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Fouillez-moi. Tranquille, ça va, les collègues? Vous fouillez mon fauteuil? Mais non, mais pourquoi? Il faisait le mal. Attends, non, mais regardez ce racisme! Regardez ce racisme banalisé! Les man! Sur 9, où est-ce qu'on peut récupérer des chaînes pour les véhicules? Fuck the police, man! Pas de raison! Tu mets une contravention là? Oui, je mets une contravention, monsieur. Fucking Bounty, man! Fucking Bounty, yo! T'as tout bougé de ton quartier, hein! Allez, Renoir, ramenez une scie! Ramenez une scie! Attends, je mets une contravention plus chère! Ramenez une disqueuse, un truc, on le coupe, le sabot! Ah ouais, bah ouais, j'étais fini. Comment je peux plus bouger? Je passe ma soirée ici, les Renoir! J'ai mis un sabot! Allez, les deux là, contre le mur là, vous avez voulu venir dans le contrôle, je vais vous contrôler. Allez, une contravention, monsieur, arrivé. Allez, contre le mur, t'as du quoi? Contre le mur, c'est une zone code rouge là. Messieurs, venez vous! Dans la cave, vous aussi, dans la cave, allez. Messieurs, face au mur. Vous avez menacé tout à l'heure, vous? Non, on le là. Ah oui, t'as menacé? Ah, Salva, t'es là, Salva? C'est des promesses, je sais pas quoi, machin. Tu voulais me mettre tout nu, c'est ça, Salva? Allez, contre le mur. Contre le mur, contre le mur. Mets-moi tout nu. Dis pourquoi je vais te mettre tout nu. Pourquoi je vais te mettre tout nu? Dis-le pourquoi. Messieurs, pièce d'identité, messieurs. Pièce d'identité. Tu me dis non, rien. Je veux rien savoir, pièce d'identité. Donc Sterling. Allez, mettez-vous contre le mur là. Et Salvador Reyes. Oh non. Mais je suis un bounty, il veut trop marrant, je suis un bounty, moi. Regardez, trois tibounes. Qu'est-ce qu'il veut là, le sans jambes là? Qu'est-ce qu'il veut lui? Trois tibounes, on a les célébrations devant nous. On a les célébrations devant nous, trois tibounes. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Vous êtes des bounty, man. Tu peux même pas courir là, qu'est-ce qu'il veut toi? Eh bah oui. Hello. Là, t'es bloqué avec la neige. J'ai des chaussures aujourd'hui, je cours grave vite. Ah, tu peux pas courir? Tes jambes cassées là, ta maladie là. T'as des infos pour nous là, ce qui te fait ta maladie là. Hein? T'as l'habitude de balancer. Ton gros crâne là. Hein, ton accent. Tes pieds fragiles. Ton accent là, t'es même pas capable de bien parler américain. Ouais. Intègre-toi un peu. Il y avait une arme celui-là là. Oh non. Après, c'est vrai que vous êtes de sauter dans la gueule du loup, monsieur. Je suis parti chez moi, je suis parti demander des sous pour pouvoir mettre sur mon cou. Reculez s'il vous plaît, messieurs, dames, s'il vous plaît, contrôle. Allez, on court, monsieur, on marche, allez, on se tranquille. Allez. Allons sur qui? Allez, sur qui? Comment tu veux? Voilà, parfait. Bah, monsieur, allez, bah, marchez, je sais pas, levez-vous, allez. Comment tu veux que je circule? Tu veux marcher, allez là. Dans la voiture. Aïe. Mais comment tu veux que je circule? Vous faites quoi, mon petit là? Vous faites quoi, mon petit là? Monsieur, s'il vous plaît, retirez votre masque là, retirez votre masque, monsieur. Allez, bon, madame, contre le mur, madame, contre le mur. Mais je peux pas, bijou, je peux pas contre le mur. Contre le mur, madame. Attends, mais il vient de partir où là? On circule les bisons là, tu vois le mur. Oh, j'aurais pas dû leur tirer son masque. Merde, ça fait des malos là. Merde, il est mort, bison, à cause de toi. Alors 10-22. Attends, bah ouais, il s'est caché dans le bonhomme de neige. C'est un enfant là, tu l'as tué avec le soleil là. Eh, circulez là. C'est bon, circule, madame. Mais comment? Je peux pas. C'est pour ça que tu peux circuler. Mais non, il m'a mis une contravention, j'ai pas les clés. Petit complet, cowboy de merde, sale chien. Tu vois, c'est pour ça que je fais ce boulot. Pas très baiser, boulot de merde. Oh, on y va. Oh, t'as trop la rage. Je vous baisse tous. Un contre un, je vous tue. Ouais, Salva, réveille la gueule, calme-toi là, c'est bon. Réveille le cul, t'es un connard. Réveille le cul. Ah, t'as le seum, t'as le démon. Hein. Allez, s'il vous plaît, les collègues, on circule. T'as le démon, quoi. Fuck you, bitch. Fuck you, bitch, man. Eh, Salva. T'as le seum, hein. Y'a quoi? T'as le seum. J'ai l'impression que ça le va pas trop. Pas mal celle-là, pas mal. Excellent. Salvatore. Alors pourquoi t'avais une arme toi? Les gars, dis-moi des jeux de mots avec Salva. Quoi? Pourquoi t'avais une arme, Salva? Parce que. Non, il est pas tilt. Adam, 60, on est là.
Qu'est-ce qu'on peut dire les gars, Salva? Oui, mais pourquoi? Voilà, ouais, je vais pas te mentir, oui. Bah oui, je sais, je vais pas me mentir, je l'ai vu, c'est moi, je l'ai contrôlé. Je t'ai pas menti, alors là, moi, c'est bon. Non. Alors, okay. Alors, t'inquiète pas, ça va le faire. Pas mal, celle-là aussi. Hein? Ça va le faire, oui, ok. Salva, t'es mort. Non. Salva, t'es mort. Ça va mal finir, cette histoire. Oh oui, ça va pas mal. Salva, chier, là. Allez, fais la procédure, Rookie. Allez, descends, Salva. Oh putain, je suis rookie. Non, on peut m'enlever non. les pinces là, ça y est, c'est bon. Attends, est-ce que je suis vraiment rookie ou pas sur le truc là? T'es vraiment rookie, va contre le mur. Avance. Alors, on va prendre les pinces non? Oh, je dois le pousser en fait, je vais faire tout seul. Les pinces comme ça, tranquille ça. La vie de ma mère, je suis passé rookie. Eh oui, t'es rookie, allez, fais la procédure. Mais même sur l'âme d'été? Oh non. Bonsoir monsieur, allez votre carte d'identité s'il vous plaît monsieur. Salvatore, c'est ça? C'est ça. Salvatore, nous sommes actuellement le 08-12-2023. Il est 23h35, vendez, vendez avant. Vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz. Tout. Reste concentré, Rookie, reste concentré. Attends collègue, désolé. Vous inquiétez pas, ça va faire, ça va le faire. Vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz pour... Non, je la refais. Vous êtes en état d'arrestation pour les faits suivants. Port d'armes illégales et refus de tempérer. Vous avez le droit de... vas-y, monsieur, vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz pourra être... Outrage agent. Vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz et sera contre vous lors d'une cour de justice. Vous avez le droit à un avocat, si vous n'avez pas les moyens, un avocat vous sera commis d'office. Vous avez le droit à boire et à manger... Nique ta mère, voilà. Vas-y, j'en profite. Lors de votre garde à vie. Monsieur, outrage x2. Vous avez droit à boire, à manger et à médecin, un appel. Vous avez bien compris vos droits, monsieur? Ouais, totalement. Vous voulez appliquer un de vos droits? On va attendre pour 74. Bon, très bien, on vous donnera ça, monsieur, dans votre cellule. Pas. Allez, venez. Appelle-moi TPH. Allez, avancez. Allez, avancez. Tu sais faire les procédures, bijoux, toi? Ouais, je sais faire. C'est bien. C'est facile. Est-ce qu'un jour sera officiel, bijoux? Un jour, hein, comme ils disent, Inch'Allah, comme voilà. Si tu continues comme ça. Si je continue comme ça. Je suis viré, je continue comme ça là. Allez, au casier. Allez, venez. Oh, le casier, c'est quoi? Voilà, juste là. Casier, là. Tu déposes là tes lunettes, ton bonnet. Ils ont retiré les gars ça. Tes lacets, ceinture, toutes les affaires qui pourraient être dangereuses là. Hein? Tes ciseaux aussi, tu les déposes là. Vos bouts de bois là, tout ça. Tu déposes tes ciseaux, tu les récupéreras plus tard, j'en ai rien à foutre. Pour l'instant, tu déposes tout ce que t'as. Ta chaîne aussi. Tiens. Votre disqueuse là, la disqueuse. Tiens. Tes lunettes. Le caillou. T'as vu mes frites aussi, tu les veux peut-être? Bah oui, bien oui. Ah non, mais t'as à manger en plus, t'as demandé à manger. Mais donc t'auras pas. C'est bon. Mais je suis gourmand, j'ai pas le droit. Bah oui. Je suis gourmand. Ouais, j'ai pas le droit d'être gourmand en fait. C'est quoi le délire? Gosse de merde. Oh bah, gosse de merde, hein. Oui, non, t'as montre aussi, t'as montre aussi. J'ai plus d'argent, j'ai plus rien, j'ai plus de travail là. C'est bon, j'ai plus rien. Pièce d'identité, s'il te plaît. Ah bah c'est ça. Attends, ça le va. Salvador. Merci le boss pour le deuxième mois. En plus, il avait marqué son nom sur l'arme, donc du coup c'est pratique. Tiens, je te donne ça. Ça c'était à lui. Je t'ai marqué le nom dessus. T'as vu comment je suis un bon ou pas, bijou? Ouais, je vais faire la procédure. Vas-y, moi je vais le mettre en cellule. Je fais un rapport de c'est un DA ou un RA? Allô, la famille. Vas-y, viens. C'est un RA ou un DA? Un DA pour rapport d'armes. RA. Je savais. Hein. 60 pour la dame 08. J'ai envie de casser les couilles aux gens, c'est ça ou pas? Les gars, c'est quoi? C'est un rap? Allez au poste, s'il vous plaît, récupérer 74. Vous c'est là, il faut que je fasse recherche d'individu. Et là, c'est quoi, les gars? C'est Salvador? 19, 51, je vais faire un 10-10, du coup, je vais récupérer. Salvador Reyes. 4, c'est bon, ok. Ouais, bah, j'ai bien vu. Là, c'est un DA, un RA? T'es bon dans ça. D'accord. Ouais, t'étais bon, t'es un bon casse-couille. Arme illégale. Quoi? Pourquoi tu te balades avec une arme? S'il vous plaît, il me faudrait un CITREP à nouveau de toutes les unités avec la composition de vos adams. Je suis désolé, mais on a retrouvé un véhicule de chez nous abandonné avec quelqu'un de bizarre à côté. Si quelqu'un vient de spammer la radio au cas où. Ouais, donc faites-moi un CITREP s'il vous plaît. Les gars, je mets quoi comme arme? Il avait un Bourlinger légendaire. Non. La composition s'il vous plaît. X-ray 0707 ainsi sergent chef que Cole, des munitions. Les gens sont jaloux. Madame, voilà. C'est de 11 et 09. Actuellement pas ça.
savoir se défendre. Bonsoir monsieur le juge, personne ne peut me juger à part Dieu monsieur. Au revoir. Ah, oui, j'ai pas confiance en la police hein. Les bavures sur bavures on les connaît. Salvatore, oui, du coup 3500 d'amende. What the fuck, ça y est, 16 000, ça, 3005, ça y est. Non je vous jure c'est par rapport, je vous ai mis le minimum. Par rapport à l'outrage et au refus de tempérer et, le, et la scar légendaire. Actuellement, alors, parce que, ouais. Alors c'est une facture. Bourlingueur à la ligne. Ah bah je vous ai mis Bourlingueur pour le vrai par contre. Alors. 60 pour Lincoln 113. Au moyen de oui, faire, je sais oui, pas, un copayaco pour récupérer le pistolet. Tout va bien de votre côté? Ouais, tout va bien, mais je suis pas en Lincoln, je suis avec 6-9 et je suis au PDP. 10-4. Ah, on va. Mettre votre dispatch à jour, oui, oui, on va, je vais l'actualiser, désolé. C'est bon. De 11, 10, 12. Ok, vous sortez à 23h. 23h. Bah, 23h50, monsieur, voilà. What the fuck? Dans 10 minutes. Je laisse ouvert comme ça, quand vous sortez, vous pouvez sortir tout seul. Voilà. D'accord. Madame 92, 10-60 et qu'est-ce que je vois pas. C'est bon, on a fini, collègue. Super. Juste, hé, collègue. Salvador. Oui. Sortez-le maintenant, c'est pas la peine qu'il sorte lui-même. Pourquoi? Ah, vous voulez quelqu'un qui bat dans le poste de police tout seul? Bah non. Ouais, non, je suis d'accord avec vous. Soit vous attendez avec lui et qu'il finisse sa garde à vue, soit vous le. Au pire, monsieur, vous êtes d'accord, je suis d'accord avec vous. On met des chaises là, ici, pour pas qu'il passe. Et là aussi. Ah mais au pire, bah vas-y, bah ferme. Mais au pire, quand tu quand ce sera l'heure, on fera un call radio, on demandera de. Allez, allez, hop. Fresh. Oh là là. On fait ça. Merci. De toute façon, il y a Ganongo devant. C'est ça, moi. C'est qui sort? Ah, pardon, Mamadou, désolé. Hey, allez. T'as dit quoi? J'ai pas compris. Moi, c'est Saïdou. Hein. Ah oui, pardon, Saïdou, désolé. Il faut attention. Mais ça se ressemble, Mamadou, Saïdou. Oui, je suis Rookie. Attends, mais Rookie, la chiotte. Oui, j'arrive, maître, j'arrive. J'arrive. Attends, vous allez bien ou pas? Attends. Oui, oui. C'est dommage. Je suis repassé Rookie, je suis repassé Rookie, j'ai la haine. C'est ton pote là, il m'appelle, il me fait des pranks téléphoniques. Oui, oui. On a retrouvé un véhicule devant le LS Custom. Oui, maître. Ça répond pas à ma question. Ça répond. C'est vraiment une dinguerie. Non, il me manque personne. À ma question. Il manque personne. Bien, merci. Ah, 77 ne répond pas, pardon. Salut. Il est là. Si, il est là. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, pourquoi, okay. Pourquoi tu fais la même voix que moi? Oui, pardon, j'arrive. Mais pourquoi toi, collègue? Pourquoi tu es toujours à te moquer? Avec ta maladie là! Il a quoi comme maladie? Je sais pas, il a une voix de Gaulmont. Et une voiture qui bombarde en face, elle est jaune. On a établi un code 5, merci. Tu la vois là, Jacques? Tout droit, il y a un taxi, il est bombarde là. Aïe! Aïe! Quoi? Tout droit, le taxi là, il va trop vite. Il croit que les taxis, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent, lui? Le faire chaud. Schwarf, I got you, yo, please, right now, please, motherfucker, bitch, in the normal côté, please. Qu'est-ce qu'il y a encore, les schmids, bordel? Allez, sur le côté, monsieur. Sur le côté, monsieur, sur le côté. Bordel. Allez, il est drôle, lui, il est drôle. Allez, mais c'est sur le bas côté. Sur mes morts. On descend du véhicule, s'il vous plaît, monsieur. Bon, présentez-moi votre permis de taxi, baissez tes mains. Bon toutou, mais c'est présentez-moi le taxi, s'il vous plaît, votre carte, s'il vous plaît, de taxi. Sur mes morts. Ok, très bien. Oh, regarde ce que j'ai, si c'est pas un vrai permis, ouais. Ouais, bon, monsieur, s'il vous plaît, je parle pas le roumain. Vous avez, comment ça s'appelle, des armes sur vous, de la drogue? Bon, bonne soirée. Ah non, mais c'est vrai, ça va pas, mais non, j'ai du taxi. Je pense qu'il a de la drogue sur lui. Quoi? Je suis taxi, ouais, chauffeur en taxi, ouais. Vous avez de la drogue sur vous? Il fume, là, déjà, il fume, votre véhicule, là. Ouais, c'est vrai, il est fatigué, j'ai pété une durite, mais j'ai rafistolé comme j'ai pu pour aller à la course. Mais... Est-ce qu'il y a Pablo Escobar dans votre coffre? Ah non, bah je crois pas, ou alors je vais palper le véhicule, mon collègue. Si jamais si... Il y a un truc à déclarer dans le véhicule, monsieur? Ah non, à manger, à boire, et je vais regarder que tu m'as rien... Et sur vous? Il y a des sandwichs là-dedans, c'est et sur vous manger après, ouais. Non mais laisse-toi, on va pas le fouiller, on va... Non mais je demande s'il a un truc sur lui. C'est à Eaglewood, le corde rouge, à Eaglewood. Oui, mais bon, c'est peut-être qu'il a du cuivre ou je sais pas, un truc comme ça sur lui. Ah non, mon cousin, je fais pas le cuivre, moi. Ah oui, vous faites quoi? Bah non, je fais le taxi, le cuivre c'est dur à tomber. Puis maintenant, les gens ils vendent eux-mêmes, hein. Ils ne donnent plus comme avant. Ouais. Ah, c'est vrai, t'as raison, je les ai mis dans le cuivre aussi. Hein. C'est vrai, t'as des copains dans le cuivre, t'as des copains manouches, quoi? Bah ouais, j'ai des copains manouches, ils mangent des hérissons et ils sont branchés chez le voisin. Ah bah c'est vrai qu'un petit peu comme ça sur un côté, t'as la tête un peu du manouche, donc ça. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Attends, vous êtes un manouche d'où? Vous êtes un manouche quoi? Ah mais moi je suis un manouche tout quoi. Un manouche c'est déjà pas mal hein. Ah ouais c'est vrai. Mais il y a des voyageurs, des sédentaires, tu vois, il y en a plein. Sur mes morts?
Ah bah non, mais si tu veux, Manouche, si tu veux, c'est déjà le fond de la branche, Manouche. Ouais. L'arbre, c'est les tiganes, si tu veux, ouais. Déjà une branche comme ça. C'est quoi ce contresens de Gaulmont en face de la police, toi, t'es con ou quoi? Oh là là, oh là là. On revient sur mes morts de tes morts. Oh là là. Oh, il fait du off-road. Oh mon dieu. La calotte de mes morts. Adam 113, on est actuellement sur un refus d'obtempérer d'un shafter le 4x4 blanc. Madame 60, il me faudrait une unité dans le nord, je vais vous faire un code 2. Mais, il y a des il est fou. Des personnes armées. Attends, oh mon dieu. Oh mon dieu, collègue. À l'aide, à l'aide. S'il vous plaît, El Bourreau, là, ça veut me prendre en otage. Deux buffalo noirs et un shafter. Ouais, une buffalo noire, un 4x4 blanc. Prends les plaques. Oh mon dieu. On arrive sur le... Oh mon dieu, collègue, fais gaffe. Là, maintenant, ils sont trop gros de moi. Voilà. Vraiment, ils sont beaucoup, voilà. Venez vite. Adam 23, on arrive sur la BAC. Ils se dirigent pétrole. Ouais, venez. Je suis toujours sur eux. Toujours au même endroit. Ils sont armés, j'ai vu des bérettes, des pistolets. À l'aide. Okay. Une deuxième unité, mais il y a beaucoup de personnes avec des armes. Prioritaire, ils prennent la fuite finalement, ok, ils nous tentent pas et du coup ils descendent, vous les avez. Direction. Le chasseur chassé, espèce de Gaulmont va. Le direction on revient en ville, pardon, au niveau de Frigit. Il y a d'autres véhicules sur place ou pas? Oui, il y avait d'autres véhicules, capitaine. Shafter, Buffalo noir et une Kuruma noire aussi avec un aileron. Prenez des photos et mettez les immatriculations. 10-5, on n'a pas eu le temps, collègue, ça allait trop vite. Ouais. Code 44, 19 vers les dernières marques de l'éolienne. Écoutez-moi, il y avait 4 véhicules, un 4x4 blanc avec les gros pneus là qui dépassent là. En shafter. Il y avait une shafter, une buffalo et je crois que c'était une Sultan RS. 3 véhicules noirs et il y avait que le 4x4 qui était blanc, sinon les autres qui étaient noirs. Ouais, c'est ça, c'était Sultan RS, pas Kuruma. Capitaine, on est en 10-56, une shafter noire au QVX fois, on aurait besoin de 10-35. Ok, moi je peux le renfort parce qu'on est que deux dans la voiture. Un straighter. On arrive pour la shafter aussi. C'était un. Un straighter, les collègues. Alors, pour 55, contactez-moi. Non, de quoi, messieurs? Je plus. Une demande de backup. On bouge plus. Monsieur, ne me rate pas. Doucement sur la radio maintenant, une radio clean. Vas-y, mais me rate pas. Qu'est-ce qu'on fait? Tango. Les collègues, venez vite, on backup niveau 3 à l'aide. On est au-dessus de vous, Riz. C'est bien ce que je pensais. Ils sont en prendre en otage. C'est bien ce que. Ils repartent dans la voiture là. La Strider, hein. Désolé pour le niveau 3, les collègues, c'était pour vous venez vite. Merci. 44, attends, je prends la plaque, collègue, vite fait. Attendez, je prends une plaque. 55, rappelez-moi sur mon TPH, on est au 10-56 du Strider. Ok, c'est bon, j'ai la plaque en photo là. Ils sont trop verts là. Ils sont en train de m'avoir. Les gars, je pense là, non? Aïe. Désolé. Les gars, PNL, ils ont sorti le son ou pas, les gars? Il est sorti ou pas, les gars? Encore une, je pense. Je répète, faites attention, ils sont. Merci Sky pour le 4 et moi. Ils ont essayé de nous PO. Ah ouais? Dans la Buffalo. C'est une buffalo noir. Ouais, c'est une buffalo noir, je suis derrière. Ah, il est sorti, les gars. On parle pas de la même. Ah, donc ils sont vraiment bêtes alors, PNL. On est déjà deux. Mais mettez-vous 4-4 blanc, Sultan RS et Shafter noir. Les gars, ils sont vraiment bêtes, ça veut dire. Ils sont vraiment bêtes, vendredi minuit, c'était hier. Les véhicules sont armés, tous les véhicules, ils avaient pour but de m'attraper. Hein. Je sais pas si c'était moi en particulier ou un policier, faites attention du coup. 3% 13, je fais attention, s'ils vont vers Wardog, ils étaient tous vers là-bas, ils ont tous un plan pour m'attraper, je pense. Hein. Ok, ça marche. Bien reçu. Ouais, on va vers Wardog. Collègue, après on fait une pause pour écouter le son. On a un plan, faites attention. Ouais. Hein. Riz, est-ce que vous voulez qu'on anticipe? Ouais, venez vers Wardog. Si jamais il y a un plan qui va être fait là-bas, là, on est deux unités. Après les gars, on l'écoute, voilà, ça marche, après la poursuite. C'est juste un ça m'a hypé en vrai. Hein. Ok, je vais rentrer dedans de toute façon. Hein. Je vous fais confiance pour poursuivre. Monsieur, je te lâche pas. La voiture derrière, c'est vous qui ferez la backup si jamais il y a un problème. C'est bon. Ok, ils vont nous rentrer dedans. Derrière nous, ça va arriver.
Calmez-vous, s'il vous plaît. Faites la backup comme prévu. Mais si vous êtes en cercle, c'est vous qui êtes en cercle là, je vous assure, c'est pas nous. Avec ton pont. Ok, ok, attendez, on va se calmer. Calmez-vous. On se calme. Pardon, mais là c'est grave là. Vous avez fait un guet-apens, on vous a fait un guet-apens également. Désolé, mais je fais vite en fait, c'est pour ça. Oui, oui. Sur ma backup, ça va se calmer, d'accord, ça va se calmer. I did not come to this country just to work. Ok, je veux quelqu'un qui négocie, s'il vous plaît. Ah, ils les ont eu. D'accord. Ouais, bah j'ai bien l'impression qu'ils ont eu. Et vous aussi, je pleure en même temps. Ah, on les a. Okay. Non, non, vous nous avez pas, nous. Comme vous en même temps, ouais, ouais. Ouais, c'est clair, c'est non, clair. Non, on va derrière vous. J'en ai marre. J'en ai marre de bosser avec des putains de golemons, sérieux. Baissez vos armes. Les trois là, baissez vos armes. S'il vous plaît, messieurs. Non. Je sais, je sais. Bah oui, mais baissez vos armes. Je fais comment, Bugsy, maintenant, hein? Qu'est-ce que je fais? Baisse ton arme. Y'a pas d'écouter, baissez vos putains d'armes, les trois, c'est tout. On vous écoute pas, vous, baissez vos armes. Vous voulez pas écouter, on vous non, t'écoute pas, baisse tes armes. Baisse tes armes, vous trois là. Te colle pas à moi, te colle pas à moi. Baissez vos putains d'armes, dépêchez-vous. Je suis dans la merde, la Bugsy là, j'ai besoin. Dépêchez-vous, les gars, vous voulez pas que ça finisse comme on le tient. Bugsy, allez! Dépêchez-vous, baissez vos armes. Ok, c'est bon. Allez, rejoignez vos collègues là-bas, juste à gauche, et rejoignez vos armes, rangez vos pétards. Toi aussi, pareil, allez. Allez, mon grand, s'il te plaît. Toi aussi, pareil, là, baisse ton arme. Venez en priorité sur la base. Range ton arme, s'il te plaît. Non, on est en train de suivre le traiteur, on arrive. Ok, on vous écoute là. Putain, les gars. Putain. Mais pourquoi les collègues ils viennent pas? Frère, je leur fais un backup niveau 3 et ils viennent pas. Les gars, ils viennent pas, les collègues. Ils sont baisés. Moi, je te garantis, je vais partir avec un agent. Ah non, 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 je vous garantis que non, monsieur. Avec la Riz. Ils sont trop lents. Allez, viens. Que tu sois content, viens avec nous. Allez, avance. Allez, viens. Allez, bouge ton cul, Riz. Allez. Non, on a encore vos autres agents en otage, monsieur. Seigneur, on va descendre tous vos agents là. Monsieur, on va descendre tous vos agents. On en a encore 5 ici, hein, messieurs. Ils partent, ils écoutent même pas. Neutralisé alors. Ils sont plus nombreux, ça va être compliqué là. Mais oui, le capitaine il est bête. Non, je suis désolé. Je l'aime beaucoup, le capitaine, mais n'importe quoi. Mais s'il vous plaît, évitez. Bah oui. Regardez, moi je suis en ASD, je peux suivre la voiture qui part. Prenez leurs affaires, les gars, mettez-les par terre, leurs affaires à tous là, au cadre. Non, mais faites pas pour suivre les agents, désolé. Là, il part, les deux là. Mettez-les au loin là. En fait, au lieu de dire neutraliser, bah faut venir aider de neutraliser, tu vois. On va où, on va où? Avancez, suivez. D'accord, ouais. Attends, je comprends rien, en fait, d'affaires. Je comprends pas. Monsieur, va falloir négocier. Je la mets dans une meilleure position, histoire que on monte là puisse sortir. Non. Vous. Ah, on parle. On va négocier avant, monsieur. Décale madame Larousse, s'il te plaît. Décale madame. De quoi, pas. Super. Bon, bah, je peux revenir avec mes collègues, moi. Non. Faut savoir, faut. Laissez votre arme. Viens. Oh, putain. Allez, viens. Allez, monsieur, seigneur, sur le toit. La rouquine aussi. Allez. Allez, dépêchez-vous, courez là, je commence à m'impatienter. Courez, dépêchez-vous. Allez, mais venez à suivre. Courez. Vas-y, les Hermano à moi là, venez, je sais pas où vous mettez 10 ans comme ça là. Ils sont. Bah, allez, on récupère les affaires, on y va. Coffre, 69, 10, 3, on a été libérés, du coup, on reprend la poursuite. Les collègues, je vais à Lincoln, j'ai la voiture. T'as les clés? Ouais, j'ai. 58, t'es sûr? Noir, ouais, t'inquiète. X fois avec encore des otages. Fais attention, je reste en banalisé, t'inquiète. Agents pris en otage, on est d'accord. Non, c'est bon, on a été libérés, c'est bon. Plus personne n'est pris en otage. À Paris. Riz. Ok. On a toujours 0,5 d'introuvable, capitaine. Oui, je sais. 69 pour 9,2, vous avez le visuel de la voiture dans laquelle est Riz? Bah, faites des 10-20, s'il vous plaît. 23 pour 16, je peux pas voir, moi. 10-20 la poursuite, s'il vous plaît, de l'agent. On a besoin de 10-35, nous aussi, sur le 10-56 d'une Buffalo noire. Pas d'otage dans celle-ci, après. Mais voilà, que il me casse les couilles, là, les collègues, hein. Je suis désolé, les gars, mais vas-y, frère. Je fais du troll, mais quand c'est sérieux, bah, c'est dommage que... Frère, je pose une question, personne répond, voilà, ça me zèf. Dans ta voiture. C'est moi et mon Beretta. Il est solo.
10-4. Ne vous inquiétez pas, s'il y a quelque chose, je recule direct, je prends aucun risque, zéro. Plan mule, je crois, les collègues. Ah non. On était d'anticiper pour vous. C'est compliqué pour moi pour prendre la plaque. Il saute dans l'eau. Adam 23, on va sur la backup de 81. Oh mon dieu. Il saute dans l'eau. Ça, ça me fait peur, ça. Putain, le véhicule de Riz, on il est cheaté, hein. Ça. Ouais, non, on est sur Caillou, là. On vient de retrouver le traiteur. Oh, bien, bon travail. Le traiteur blanc. 19, s'il vous plaît. Neutralisé. Capitaine, juste pour être sûr, si jamais les individus sautent dans l'eau, on neutralise ou pas? Bien évidemment. Oh là là. Mais Cole. J'aime bien quand il les arrive comme ça, le capitaine. Pas qu'il tue, notre agent. Ok, ok, pas de soucis. Privilégiez la parole avant, quand même. Dans le hangar, Cole. Le 10-56 au niveau de la Metzbank Arena, vous avez besoin de 10-35, de code 5? Ouais, les gens ils m'écoutent pas, les gars, vous avez vu? Désolé, même vous ça doit vous arriver, mais ça bon. Désolé, les gars. Donc tu me reçois? En plus, c'est des vrais calls que je voulais donner. Hein. Genre, est-ce que c'est le traiteur blanc bah, qui nous avait baisé, tu vois? Enfin, qui voulait nous ken, pardon. Ça tient. Donc tu me reçois? Mais bon, désolé, les gars, désolé. Quitte la police. Non, ça bat les couilles. Franchement, moi je. 22 qui est tombé. Moi les gars, je viens sur le RP, je m'amuse, je quitte, c'est tout. M'embeur. Vous êtes en mode backup 91? Je vais pas être en mode j'ai mal dormi, enfin je vais mal dormir et tout. Ouais, jusqu'à t'en arrive. Attends, on se rend sur Caillou également. Kins, t'es là ou pas? Oui. J'aurais l'impression que tu te rends dans la mine à 40 heures. Si on appelle, apparemment ils auraient trouvé un corps d'un agent. Le corps d'un agent. 4 numéro 2, je termine à 56. Nickel. 4-11 pour 22, vous me recevez? Je suis backup 3, vas-y, vite. On a un fugitif du coup à pied, habillé tout en noir, messieurs dames, sur Caillou Périco qui vient d'ouvrir le feu sur notre lieutenant. Déployez un ASD immédiatement sur Caillou, dépêchez-vous. Vous décrochez la poursuite? Adam 60, on est bientôt là. 23, on a 2 km et demi. C'est vrai qu'ils vont déjà la voiture. Oui, mais si tu penses qu'ils arrivent à le tenir, oui. On va tenir, capitaine, on est 3 unités. Bon, bah, allez-y, bah, nickel. Je crois que je vais désinstaller Twitter, ça me bouffe la vie. Voiture, ah ouais passion, du coup. Moi j'aime bien Twitter en vrai. Hein. Ça me fait rien. Twitter c'est tranquille. J'ai l'impression qu'il y en a. Fugitif jouant en cours, Alten, c'est ça? J'ai l'impression que Twitter, les gars, y'en a, ils sont en mode. Non, ouah. Non, apparemment 22 leur est neutre. Ouah, c'est. Ça me prend la tête, ça m'angoisse, ça me ci, ça me ça. Alors moi, ça me fait passer mon temps. Franchement. Descente, bijou, t'es bien? Ouais, on est large. J'ai 3/4 là. Nickel. Franchement, les gars, moi, un truc qui me dérive, c'est TikTok, par contre. Hein. Caillou, alors, c'est bon. TikTok, ouais, les gars. TikTok. Ouais. Alors, y a l'application du Shaitan. Il y a plus tard. Oui, c'est ça, capitaine. On va vous jouer alors. Yes! Soit vous restez à 2 derrière, mais avec un hélico, soit vous faites 2 plus anticipation. D'accord? Nicole 44, TikTok, les gars, ça me bouffe la vie, hein! De la Buffalo. Je me lève à 11h, je sors de mon lit à midi, frère! Ça continue à Ariane, ils sont pas à cause de TikTok. Messieurs, vous voyez bien que c'est compliqué. Hey, les collègues, la voiture à gauche, la tête d'homme, elle était là-bas! Ok. La voiture qui a fait l'accident! Code prioritaire, la voiture qui a fait l'accident, les collègues, à gauche là! Elle était aussi dans ta. Mais non, mais putain, mais je fais un call prioritaire pour rien! 19, répète, si on t'a pas entendu. Il y avait une muscle car sur les lieux. Bah oui! Oui, je sais, elle était à gauche, on avait déjà. Ah, fallait y aller! Pas tous en même temps, s'il vous plaît, radio. Putain, frère, voilà, c'est une dinguerie! C'est pas grave. Bah moi, je fais des call prioritaires, ça me demande de me calmer, mais c'est un call prioritaire! Est-ce que c'est juste aussi d'avoir une situation de situation Caillou? Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Oui, c'est bon, vous inquiétez pas. C'est une dinguerie, wesh, voilà! Cole, c'est bon pour vous? Inch'Allah, on perd la voiture en face!
J'espère on le perd. On a besoin des médecins. Ouais, je les ai contactés là. Ça y est, frère, ça y est. Ce volant arrivera en ASD pour. Oh, je fais un call prioritaire, ça me demande de me calmer. Mais wesh, ils ont deux Beretta dedans, ils ont essayé de nous baiser. On est 4 sur la poursuite. Il y en a un qui lâche. Il y en a un qui lâche. Et c'est SP Nord pour SSP Sud. Non, les gars, c'est drôle le RP, mais. On vient de retrouver. Faut que je reste dans le RP guignol. En fait, quand je suis sérieux, ça. D'accord. C'est relou. Merci beaucoup. De rien. Je pense à lui. Pour la fugitive derrière moi. J'ai bientôt plus d'essence, d'accord. Je vous laisserai le relais et moi j'irai mettre l'essence. Et lorsqu'on est 3 sur la poursuite et on revoit la muscle car, bah vous la prenez s'il vous plaît les collègues. Il y en a juste un qui décroche. Oui. En fait, je dis juste que l'anticipation sert à ça. Sinon ça sert à mettre l'anticipation. C'est ça, fallait la prendre. La fugitive. Ok. Vas-y, je te laisse la suite. Riz, fais deux fois ice, ils ont un plan. Les collègues, j'ai demandé à Riz qu'ils fassent deux fois ice, ils ont un plan et ils ont un plan du coup. Faites attention. Bien joué, bijou. Il y a des endroits. Riz, si c'est un plan mule, trois fois. Pas mal, Wardog. Ok, il n'y a pas de plan mule, mais il y a un autre plan du coup, les collègues. 16 à 18, est-ce qu'on a la plaque de la chute? Il commence à gazer là, on dirait. Hein. Si on vous répond pas, c'est que non. Shafter, vous avez réussi à avoir la plaque? 14, on a la plaque. On rentre dans un endroit bizarre, les collègues, à l'aide, je suis tout seul. Oh mon dieu! À l'aide! Descends. Mais y'a personne! Allez, on aura besoin de chien, on va le fumer, celui-là. Madame Tango 79, dernier combat. Mettez-vous à genoux là, dépêchez-vous. Je prends ton arme à ta radio, j'ai tout. Allez-y, prenez. Je jette. Ramène-le là, pas aussi comme ça. Je vais jeter bien, voilà. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Mais où sont les collègues? Attends, je suis ici. Mettez-vous à genoux, dépêchez-vous. Non mais moi j'ai rien à voir avec lui hein. Non. Oh mon dieu. À genoux bâtard. Donc toi là, toi y'a ton collègue, sa vie elle est entre nos mains. Tu lui dis fais aïe aïe si jamais y'a des plans etc. Non, j'ai pas dit ça. C'est Rookie. Toi aussi tu es avec nos couilles. Non. Je vous jure il est Rookie. La vie de ma mère sur Rookie. Non, j'en ai rien foutu, t'es Rookie, espèce de grand menteur en plus. Non, juste me tuez pas. Il connaît pas les genoux toi. Oui, je vais m'accouter. Reste à genoux. Il connaît pas bien les procédures. Je sais très bien qu'il est pas rookie. Je te jure, il est rookie. Mon la vie de ma mère, je suis rookie. On l'a rétrogradé rookie là, aujourd'hui là. Depuis aujourd'hui, il est rookie justement parce qu'il est con. Non, ça c'est pas notre dos. Regardez ma plaque. Allez. Non, toi tu veux jouer avec nos coups, toi. Reste, tu veux jouer avec les couilles de ton dos, de la cahier. Sauf que pas de chance de tomber sur les mauvaises personnes. Oh mon dieu. Tu veux jouer avec les couilles, bah maintenant regarde. Moi je vais jouer avec ta tête. Non mais non. J'espère que j'ai un dossier de mort RP les gars, j'espère. Je vais mourir avec toi, t'as vu, je vais t'emporter dans ma tombe. Oh non, mais t'y es pas. Je vaux vraiment la peine que tu meurs. Ouais. C'est ça en fait. Je m'écarte juste un peu. Mais il y en aura d'autres, il y aura d'autres policiers qui seront là pour me remplacer. Je suis un keuf qui fait mon boulot. Non, t'es pas un keuf qui fait ton boulot. Et je suis un keuf qui fait quoi alors? Plus que ton boulot, t'es un keuf qui est là qui pète les couilles à ton dos. T'es une censure. Je fais mon job. Non, il est investi dans son travail, vous voulez dire. Protéger et servir, t'as vu. C'est pas d'allumer des gens à tout va pour des boules de neige par exemple. T'as capté ou pas? Excusez-moi. T'as vu, ne dis pas que tu fais que ton boulot. Ne dis pas que tu fais que ton boulot et que tu cours au-dessus des lois. T'es pas au-dessus des lois. T'as capté? Je sais bien. T'as vu, je vais te redescendre, moi. T'as vu, je vais. Monsieur méchant, vous permettez? Parle-toi, ferme ta gueule. Ok, désolé. Ok. T'as vu, je vais te redescendre avec une carte sur la cabeça. Non. Mais faites pas ça, mais. T'as trop joué, t'as vu, tout le monde a subi. Tout le monde a fermé sa gueule, bah maintenant c'est fini. Plus personne va fermer sa gueule. Votre gars, vraiment la peine là. Là, tous tes amis vont mourir pour moi, à cause de moi. Crois pas qu'on est seul, c'est pas parce qu'il y a des flics là qui est autour
qu'il n'y a personne autour d'eux. Regarde, je vais juste appeler, oui, tu vas voir. Est-ce que tous tes amis valent la peine de mourir à cause de moi? On est parti sur la base d'un malentendu, je pense. Vous me permettez que je parle? Tu veux dire quoi? Alors, je pense que vraiment, c'est un malentendu. C'est vrai qu'Eriz, il fait beaucoup son travail, mais il fait peut-être beaucoup trop bien. On a compris, on va se calmer. Enfin, il va se calmer. Ça sert à rien d'étirer les gens. Regardez, votre mère, monsieur, elle aurait jamais aimé que vous... Tu vois, votre mère, elle aurait jamais aimé votre mère, là, oui, que... Ma mère. Elle aurait pas aimé que vous... Ta mère, elle est fière de ce que tu fais, toi, ta mère. Oui, parce que nous sommes les gardiens de la paix. On veut juste le bien de la ville, dans la sérénité. Non. Monsieur, ta mère, elle voulait pas que vous finissiez comme ça, je pense. Arrête avec ma mère, laisse ma mère. Oh, d'accord. Mais oui, mais voilà. Raisonnez-le. Vous allez tout scanner à cause de... Oui. Vous allez tout scanner à cause de moi? En fait, c'est ça que tu crois. Ils sont un peu trop près. En fait, c'est ça que tu crois. Mais non, reculez pour mourir, en fait. Parce que tu crois que là, le ratio, il y a Todos. Sauf que non, ici, il n'y a pas Todos. Todos sont tous à l'extérieur. Vous avez raison. T'as vu, c'est Todos. Sont en dessous, t'as vu? Les flics derrière, s'ils allument le feu sur nous, ils vont se faire allumer par les mecs de derrière. T'as capté? Donc ne t'inquiète pas pour nous. Sinon, on est là et qu'on est placé ici, c'est qu'on a toujours des points de fuite partout. Ok, mais laissez-moi vous dire une phrase. En fait, elle va vous paraître super arrogante, mais faut pas que vous la preniez comme ça. Mais monsieur, que vous pouvez avoir autant de gens que vous voulez, le SASP sera toujours plus que vous, et si jamais vous ouvrez le feu sur des agents de police, à la fin, on va tous vous abattre. Et je sais pas pour qui vous vous prenez, hein. Et de plus, il y a un hélicoptère, il voit s'il y a des gens derrière. Et oui, désolé. Je pense que vous êtes devenu un petit peu fou à cause du pouvoir, monsieur, mais vous ne pouvez pas vaincre le SASP. Il n'y a aucune question de pouvoir. T'as vu? C'est comme avec le gouverneur. T'as vu, le gouverneur était là, il pétait les couilles à Todos, il faisait des crimes, etc. Maintenant, c'est pareil, Riz. Parce que t'es là, tu dis que tu fais ton boulot. Mais est-ce que c'est ça, faire ton boulot? Mettre des coups de pompe sur des gens pour des boules de neige, non? Non. Non, il n'y a pas de oui, non. Tu abats de sang froid des gens pour des boules de neige. J'ai pas battu de sang froid, mais ça va pas la tête, il est mort. Non, me dis pas. Donc, quel mec pas. Ah, tentative. Je vais crever, connard. Peu importe. Tentative de meurtre. Oh oh. Donc, me dis pas. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Il y en a eu deux. Regardez là-bas, les gars, qui est derrière là. Ah, il y a ma caméra, regardez. Bah, tu comprends. Regardez, les gamos. Peut-être un rapprochement, j'en ai rien à foutre. Mais il y en a eu deux. Oh mon dieu. Parce que là, c'est soit Eaglewood, soit Rifaz. Je suis pas trop, je suis perdu. Rien à foutre. Maintenant, reste à vue. Aujourd'hui, c'est ton heure. C'est ton jugement. Non, vous faites des jugements avec la justice, bah toi tu vas être dans le jugement du grand bandit. Si c'est son heure, moi je peux partir, moi. Toi, t'as vu, tu vas prendre aussi. Non, mais c'est son... Mais non, non, mais... Monsieur, je ne suis pas là pour faire le juge, moi j'applique la loi, c'est tout ce que je fais, j'applique la loi. Tu appliques la loi, bien sûr. Je ne juge personne, moi j'envoie personne en prison. Mais moi je fais quoi ici, les gars? Je les amène devant le juge, et c'est le juge qui les envoie en prison. Tu es le juge. Alors, ça risque, en tant que policier, faut pas dire ça, je crois. Oui, mais bon. À partir du moment où tu mets des coups de pompe pour les boules de neige, à partir du moment où tu es là, que tu essaies de parasiter les gens pour ton bien-être, pour que tu, le soir... Attends, j'ai rien demandé, les gars. Bah maintenant c'est fini, Aris. C'est terminé. T'as capté. Monsieur... Alors, mets-toi à jour, tu bouges encore une fois, tu te prends une cartouche. Non, je vous jure, j'avais des fourmis dans les jambes. Vraiment. Rien à foutre. Vraiment. Des fourmis. Vraiment désolé. Mais messieurs, dames, on a, quand vous nous passez les menottes et qu'on dit qu'elles sont resserrées, vous nous répondez quoi? On desserre un peu. Bah là c'est pareil. Oui. Rien à foutre, bah là c'est pareil. T'as des fourmis, bah j'en ai rien à foutre. Garde tes oui. Mais non, mais monsieur, mais riche dealer, j'ai rien à voir. Il a à voir, ici, monsieur. Non. D'ailleurs, on t'a entendu derrière. Quoi? Tendez ta grosse gueule là. Oui, non, mais ça ne mérite pas la mort. Si, ça mérite la mort. Non, parce qu'on a la vie de ton collègue dans les mains. Oui, non, mais on est tout le temps ensemble. Tu fais des trucs comme ça là. C'est mon meilleur ami, hein. Mais oui, mais moi je suis Rocky, monsieur. Bah c'est mieux que si vous partez à deux alors. Mais bah non, mais non. Mais partez où ensemble? On va. Écoutez, ne le touchez pas. Si vous en prenez à lui, c'est vraiment la pire des choses. Tuez-moi, moi plutôt. Oui, voilà, oui, il a raison. Il a raison. Enfin, non, Mais ne vous en prenez pas à lui, s'il vous plaît. Ne vous en prenez pas à Bijou. C'est tout ce que je vous demande. Merci, Riz, merci. Voilà, ce que je vous ai fait la misère, ce que je veux, c'est que vous en preniez pas à Bijou. Ça m'enlève une charge sur les épaules, quoi, franchement. Oh là là, mon dieu, j'avais peur là. Si vraiment vous voulez me faire souffrir, faudrait que vous en preniez un bijou. Non, vraiment oui. Ah, de nous prendre pour des cons. Quoi? Non, fils de pute! Non! Non, il a pas dit ça! Non! Oh, sale bâtard! Faites pas ça! Non! Regardez-les. Il a carrément dit ça. Non, il a pas dit ça, il rigole. Si, il a dit ça. Non! Non! Attention. Aïe, je ferme les yeux. C'est moi la chose qui me ferait le plus souffrir en ce moment. Aïe! Je pose le canon là. Non! Le aïe! Sur arrête! Riz, je vais te tuer quand tu seras mort. Riz! Mais non, mais justement, j'essaie de les empêcher! Non, Riz, oh là là, mon dieu, sale bâtard.
C'est un menteur, c'est pas mon ami. C'est... Oh, je suis énervé là. Tu penses que ça fait mal à Non, je suis juste un bouche-trou pour les patrouilles. Un bouche-trou, tu veux qu'on te fasse péter la tête? Aïe, 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 aïe. Non, putain. Tu vas tuer la pute, un bouche-trou. Tranquille, non. Non, madame, non. Tic. Tac. Non, ça va partir en couille là. Oui, je l'ai. C'est moi qui vous ai dit ça. Ok, c'est bon, je crois savoir qui vous êtes du coup. Je sais pas qui on est, bâtard. Ah si, là, c'est bon, je sais. Non. C'est qui? Mais c'est les Riffins. Ah ouais, c'est eux. Mais n'importe quoi, c'est pas... C'est... Et bien sûr c'est que c'est eux, bien sûr. J'avais un doute quand vous m'avez parlé de la boule de neige entre Eaglewood, parce que j'ai mis un coup de pompe à un mec pour une boule de neige à Eaglewood. Mais Tic Tac, y'a qu'à vous que je faisais que le dire. J'ai même tagué dans votre quartier Tic Tac, j'ai envoyé par message à la Zavo. Non, c'est bon, arrête, arrête. J'ai mis une radio qui faisait le bruit de Tic Tac, je faisais que vous dire Tic Tac, donc oui, j'ai fait le rapprochement. Madame, baisse ton arme, madame, j'ai rien fait. Pour lui alors. Boris. Oui. Tic Tac. T'aimes bien, non? Oui, on vient de me la faire. Oui, mais t'aimes bien ce petit mot, non? T'aimes bien? Oui, oui. Tic Tac. Ça te procure quel plaisir, dire Tic Tac? Je suis fan de science, Tu es fan. T'as vu, il est minuit 29, t'as vu. Nous allons faire un Tic Tac jusqu'à 35, du coup. Vu que tu es fan de ce chant. Et qu'est-ce qui va se passer à 35? On va te faire péter la tête. Franchement. Ça fait boum. Messieurs, est-ce que vous voulez vraiment tous mourir pour un keuf qui fait un peu trop bien son boulot? Le capitaine ne veut plus parler avec nous. Le capitaine ne veut pas parler, vous êtes qu'une bande de clowns. Parce qu'apparemment, on se sent tout permis. Nous sommes le SASP, sauf que quand il y a des choses, du coup, quand ça part de dialogue, etc., le dialogue n'est même pas de mise. Ça nous rigole à la gueule, comme des clowns. Et vous êtes là, en train de nous faire croire que vous, le SASP, vous êtes des personnes, waouh. Non, on a de l'argent. Pour redescendre, toi, ferme ta gueule. Ok, tu pars encore une fois quand je parle. Ok. Je te mets une cartouche, est-ce que tu vas me comprendre ce que je veux dire? Ok. La troisième fois que je te le dis, il n'y aura pas le quatrième. Allô? Pour lui, c'est pas normal que des gangsters répondent. Non. Nous avons du coup Riz en otage, ainsi que Bijou. Nous avons du coup essayé de fuir, mais vu que nous sommes pris par des clowns, par Riz et Bijou qui faisaient les handicapés. Monsieur, oh, il a quoi contre les handicapés celui-là là? Il a quoi contre les handicapés? On t'a dit, putain, ferme ta gueule. Arrête pas, toi, là, tu comprends pas. Mais il critique les handicapés! Ferme-la ta gueule, on t'a demandé de commenter. Ferme ta gueule. Je peux me rapprocher de Bijou? Non. On a froid. On sait très bien, vous êtes des agents qui ont fait du taekwondo, vous allez essayer de nous mettre des coups de pied dans la tête après. Mais n'importe quoi, j'ai... On sait très bien, vous allez pas nous la faire à nous, putain. Mais regardez mon gros ventre, j'ai même pas marché droit. Ferme-la. Ok. On écoute après. Est-ce qu'il n'y a pas des meilleures causes? Qui a dit qu'on allait crever, hermano? Si vous vous en prenez à moi, ils vont tous vous tuer. Ouais, je le sais, C'est Minecraft. C'est pas que je le crois, monsieur. Regarde, il touche ta nuque là. Oui, je le. T'as bien quand il touche ta nuque ou pas? T'es trop haut. Ah. Oui, c'est vrai que t'es un peu haut en fait. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Madame. Hermano, il y a 10 secondes déjà. Vous avez une famille, madame? Essayez d'avoir des infos et demande. Le raton répond pas. Est-ce que vous voulez vraiment. Il a dit, c'est presque là. Bah, pas le capitaine, parle avec ton père. Est-ce que vous voulez vraiment mourir pour tuer un keuf? Y'a pas des causes pour. On va pas crever, Hermano, arrête! La cause animale, je sais pas. Là, tu l'as. L'empreinte carbone. Ok, je me tais. Mm-hmm. Plein de causes beaucoup plus nobles, beaucoup plus justes. Il a raison. Du coup, Hermano, pour te répondre, ma famille est autour de toi. Ah. Donc, vous voulez pas la perdre, votre famille, madame? Non, j'ai compris, c'est parce que c'est nous, ta famille. T'es con, quoi. Mais il est con. Enfin, non, jamais je me. Hey, hey. Non! Ouais. À l'aide! Non! Non! Ah, aïe! Aïe! On a tiré, Hermano. Ok. Ah oui, il est vraiment rookie, je crois. Non, mais j'ai peur, mais j'ai jamais pris de balle, monsieur, s'il vous plaît. Une première fois à tout. Non. Monsieur, pas mon zizi. Ok, là, la tête, ouais. Non. Oui. Non. Oui. Non, oui. Non, oui. Oui, non, oui, non, non, non. Non, pardon, excusez-moi. Je rigole de nerf, franchement, j'ai vraiment peur, monsieur. J'ai peur, sa mère, là. Oh mon dieu. Please. Attention, Hermano. Oui. Vous savez que je vous entends là. Je veux dire, y'a pas de. C'est le calme plat, hein. On soit d'accord. Aïe, j'ai une crampe. Aïe. Reste au sol. Non, là, je vous jure, j'ai une crampe, vraiment, je vous jure. Bah, crampe-toi au sol. Ok, je me remets au sol. Voilà. Écarte-toi, parce que je te jure, je vais te mettre une balle. Hein. Là, c'est bon, là. Je compte jusqu'à 78, t'as intérêt à te dépêcher. 78
Mime-toi, à genoux. Le plan échoué, les gars. Putain, le plan échoué. Riz, je crois qu'il faut un plan à gauche, là. Oh putain. Ah oui. J'ai dit, monsieur, il... Tu devrais peut-être aller écouter, non? Non, t'inquiète, on te fera un compte-rendu, Armano. Ok, ok, parce que j'allais venir, il allait m'avoir en plus. Non, mais c'est pas pareil, tu vois, il y a des téléphones arabes et tout, après, c'est pas aussi frais. Comment ça, que... comme ça, hasard, ils sont où, hein, ils sont où, ça? Oh non. Comme par hasard. Parce qu'eux, ils me font plus peur que eux, en face. T'as dit quoi, là? Non, rien, oublié. Ils pensent qu'on est des clowns, oui. Non, la vie de mère que non! On sait que vous êtes pas des clowns, hein! Mais j'ai juré, vous êtes pas des clowns! On est le jouet du SSP en fait. Non, la vie de ma mère, vous êtes dangereux, les gars! On est le divertissement de la dépouille. Ok, messieurs, permettez-moi. Vous ne subissez pas 30%. Je sais, je te parle pas de ça. Ok, vous parlez du jouet du SSP. Je me sens un gâteau, les gars, j'arrive. Parce que quand on leur fait comprendre de manière, comment dire, haute, que nous ne sommes pas contents et que ce qui se passe certaines fois n'est pas normal, oui, ça nous rigole encore au nez. Tu vois là. Et ça tombe sur toi aujourd'hui. Vous utilisez pas les bonnes méthodes. D'accord. J'utilise quoi comme méthode? Je vais aller me plaindre moi à la justice auprès du juge l'autre là qui ne croit pas et qui va montrer des vidéos pour qu'ils comprennent. Non. Regardez, au final, le gouverneur hier il a été capturé ou pas? Regarde, je veux dire un truc. Dans ma cahier, t'as vu? Écoute-moi, dans ma cahier, il y en a, il se fout de ma gueule. Je l'attrape, je lui mets mon pétard sur la tempe, je le fume. Tu comprends ça? Mais là on est pas dans la cahier, moi je suis pas un mec de la cahier, monsieur, moi je suis police. J'agis comme ça avec toi. Oh non, vous avez raison. Sauf que le problème c'est que vous le savez, parce que vous arrêtez des gangsters tous les jours. Mais pourtant, laisse-moi finir, pourtant, quand on a un de vous en otage, bizarrement, il est là, il s'amuse. Donc on fait quoi? Moi qui s'amuse? On fait comprendre quoi? Lui là, il se note gueule. On le fait comprendre comment? Mais quoi? Il est juste con, il est juste con. Hein. Mais la vie de ma mère, j'ai rien fait de méchant là. Et c'est pour ça que je finis et que je vous dis qu'on a un putain de divertissement pour vous. Parce que vous passez votre temps à nous arrêter, etc. C'est votre travail, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai l'impression que c'est tout. Et que malgré tout ce qu'on fait devant vous, qu'on se tire dessus, les gens ils se tirent dessus pour des territoires, ils mettent leur vie en danger, j'ai pas l'impression que vous ayez une once de crainte. Ça veut dire quoi? Mais encore heureux. Mais bien sûr que. Bah oui. Comment ça? Mais c'est con là. Mais monsieur, mais bien sûr que oui, on n'a pas peur de vous. Mais je vous assure qu'on n'a pas peur de vous, monsieur. T'as pas peur, sale fils de pute? Non mais j'ai peur de votre arme, mais j'ai pas peur de vous, overall. Non, on a peur. Écoutez-moi qu'on soit clair. Attendez, parce que là j'ai l'impression qu'il y a un quiproquo. Je dis pas que j'ai pas peur de vous à l'instant T, maintenant, aujourd'hui, avec votre pompe devant ma tête. Je veux vous faire comprendre, c'est que le SASP n'a pas peur de vous, les criminels, de manière générale. On ne va pas arrêter d'intervenir quand il y a besoin d'intervenir parce qu'on a peur de vous. Je te dis pas d'arrêter d'intervenir, mais une fois que t'es dans les mains de cette criminalité là que tu vois tous les jours faire des folies. D'accord, bah c'est très bien pour toi. Mais pourtant Todos n'a pas cette même idée en tête. Mais c'est qui Todos? Si certains ils ont pas d'arrêter de fermer ta gueule dans la voiture, non? Tu étais prévenu plusieurs fois de fermer ta gueule et que tu continues à carrier. Le connard là-bas, il parle aussi. Non là j'ai rien dit là, mais j'ai une solution vraiment. Donc on fasse quoi? Est-ce qu'il faut qu'on fasse qu'il y en a un qui rigole à notre nez, on canne? C'est ça? Et comme ça au moins peut-être que ça va changer. Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, je sais pas, c'est vous qui avez les armes, hein. J'ai peut-être une solution, vraiment. Non, mais je te demande, vas-y, dis-moi. Alors, moi, je pense que... on pourrait faire quoi? Un 10-19 général de tout le monde. Et vous venez, et vous nous dites ce qui va pas. Oui, on fait une réunion, et puis quoi? Et puis quoi, bâtard? On fait un gala, fils de pute? Bah non, mais comme ça, la police, ils sont au courant que... vous êtes pas des rigolos. Non, le problème, c'est qu'on s'est plaint, mais vous vous doutez même pas à quel point on s'est plaint. À quel point on a remonté les choses. Et à chaque fois, on se fout de notre gueule. Oui, bah c'est la police. Oui, bah c'est normal, c'est la police. Je suis d'accord que vous c'est normal que vous n'ayez pas peur de nous. Mais les gars, hey, si je te mets mon pétard dans ton oreille, là, fils non de pute, et que non j'appuie sur la... Mais j'ai rien fait, moi, mais pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Non, pour moi, qu'est-ce non qui va se passer? J'ai peur, je vais mourir. Qu'est-ce qui va se passer? Non. Ah, à l'aide. Et qu'est-ce qui te permet, alors? Qu'est-ce qui te permet? C'est ton idiotie qui te permet de faire des blagues, c'est quoi? Il est con, il est bête. Mais quelle blague? Il est bête. Mais je te pose une question. En fait, non, attendez. Qu'est-ce qui te permet de faire des blagues? Ça va pas se passer comme ça. En fait, vous. D'accord, je fais des blagues de temps en temps. Là, j'ai peur. Là, maintenant, j'ai peur. Je vous prends en mode sérieux. Pourquoi vous croyez que je suis un guignol tout le temps? Ça me pète des couilles. Me tuez pas. Mais là, je vous considère comme les mecs dangereux. Je fais pas de blagues là, bordel de cul. Désolé. Non, ne me tuez pas. Pitié, me tuez pas. Je le fume ou quoi? Non, j'ai peur de vous. Allez. Non, j'ai pas fait de blague.
Si vous voulez, je fais des blagues, non, si non, vous voulez. Je vous le dis, hein. Hey, je vous le dis, pas les bagarre, gars. Mano. Je vous le dis, hein. Je vous le dis un truc. Hein. Même si pour nous, dans la cahier, tout se passe bien, vous savez. Je vous le dis, tout se passe bien pour nous. Il n'y a aucun groupe, aucun gang qui nous fait un minimum peur ou quoi, ok. D'accord. Mais quand on voit les polos, on crie, on court, on se taille. Le mec qui met un coup de gueule, mais il a peur. Mais sauf que... Ça marche pas que comme ça. Non, pas moi. Mais messieurs... vous attendez quoi comme réponse de ma part? Vous voulez que je dise... La police, on se rend? C'est pas une question de ça. Non, mais vraiment, j'ai. C'est que tu rentres dans les barrios comme si t'étais chez ta mère. Mais oui, je rentre dans le barrio. Mais bien sûr, je suis agent de police de la ville de Los Santos. Votre barrio, il est sous la juridiction du SASP, monsieur. Vous voulez quoi? Vous voulez que je fasse une demande? Genre, c'est une zone de non-droit? Il est aussi sous la juridiction des gangsters, t'as vu? Il y a certains flics qui viennent, ils sont toujours bien accueillis. Sauf qu'à chaque fois qu'il y a des fils de pute de ton genre, t'as vu, qui vient. Et qui nous pète les couilles. Mais t'as vu, oui, on je ne suis pas agir. Votre ami. T'as vu, en on fait, va j'ai... agir. T'as okay. capté. Et ça, faut le comprendre aussi. Monsieur. Et vous, monsieur. Vous agissez contre nous, bah nous aussi, on peut agir contre vous. Pas parce que vous êtes le CSP qu'on va fermer notre cul. Donc. Et qu'on va subir. Vous êtes gentil. Écoutez-moi, attendez, vous faites des monologues. Vous êtes gentil avec les policiers, en gros, qui vous embêtent pas. Mais vous êtes un gangster. Évidemment que les policiers, juste qui font leur boulot, vont vous embêter. C'est ça que tu comprends pas, en fait. Mais, il y a tous les flics nous pètent. Si un dossier de mort épaisse sur vous le savez ou pas? Non. Quoi, ils viennent dans parfois c'est scripté, mais non, ils c'est pas là. Ils nous crachent pas la gueule. Enfin, non, on sait jamais en réalité. Ils sortent pas des armes pour tirer sur c'est les gars. C'est incroyable, les gars, c'est incroyable. Monsieur, votre barrio. C'est incroyable ce qui se passe, les gars, c'est incroyable. Je suis policier à Los Santos, que je suis, que je sois à Eaglewood. Je me régale. J'ai une question. À Vinewood, j'en ai rien. J'ai une question. Si je viens chez toi, écoute-moi, si je viens sur chez toi, écoute-moi, sur le jardin de ta propriété ou devant chez toi, ouais. Mais je ne suis jamais rentré dans le jardin de quelqu'un. Écoute-moi bien, écoute-moi. Mais là, je peux vraiment mourir, je sais pas, les gars. Je te parle. Vraiment. Je me fous de ta gueule et je te crache dessus devant chez toi. Ok, et monsieur. Et après, je te vois arriver, je cours et je rigole et je monte dans ma voiture. J'ai bonne soirée avec un toit rouge. Je ne suis jamais rentré dans votre jardin. Ils arrivent, les collègues. Tu as mis des sabots sur des voitures. Tu as mis des sabots et des contraventions sur des véhicules qui étaient dans un jardin. Ils étaient mal garés. Oui, ils étaient dans la rue. Ils étaient dans un jardin spécialement. Non, il n'y avait pas de jardin. Je sais que la maison vous parle. Enfin, dites pas putaclic. Pas mal, pas mal. C'est la montagne, vous parlez de la montagne. Ça y est, nous y est. Ils étaient vraiment dans un putain de jardin. Dommage qu'on ne sache pas parce que je vous aurais montré ce qu'est un jardin et à partir de où démarre une propriété privée et à partir de où elle se termine. Hein. Du coup, bah ça se termine à partir du moment où tu. Tu vas d'ailleurs. T'es pas en train de dormir toi? Sauf que là. Regardez la menteuse. Regardez la menteuse. Il y avait du coup le mur. Vanéas. Il y a peut-être eu quelques bavures de véhicule. Tu nous fais la voyou là, il est minuit là. C'est vrai. Elle est minuit passée. Mais je crois pas que ce soit le fond du problème. Je pense pas que ce soit le cœur du problème, monsieur. Les gars, abonnez-vous à son Twitch. Hein. Abonnez-vous à son Twitch, les gars. Si, ça fait partie du cœur du problème. Elle va devenir streameuse. Juste, les gars, si vous voyez qu'elle commence à me dépasser, bah. C'est qu'on a essayé de discuter avec le capitaine parce que le bah, vous un follow. Il aime bien dire. Voilà, les gars, d'accord. Les gars, n'agissez pas. Quand on commence à me dépasser sur Twitch, voilà. À chaque fois qu'on a essayé de discuter avec lui, c'était toujours la même chose. Oui, je vais voir avec la personne concernée. Derrière, c'était. Bonsoir, enchanté, bonsoir. Aucun changement, rien du tout. Et limite, ils nous rigolent à la gueule, comme si on était des putains de. Ferme ta gueule, toi, ferme ta gueule, ouais, ta gueule. Tu vois, on est obligé d'agir. On a essayé d'avoir un dialogue avec vous. On a essayé de discuter. Je veux dire, les gars. Ma dernière crêpe, les gars, ma dernière crêpe. Tranquille, on discute et on règle les problèmes ensemble. Monsieur, vos revendications. Sauf qu'à chaque fois qu'on a essayé, à chaque fois qu'on a essayé, ça s'est jamais passé correctement. Je vous assure, vos revendications n'ont ni queue ni tête ni profondeur. Je ne sais pas quoi vous dire. Oui, j'ai mis des sabots sur des véhicules qui ne fallait pas. Et pour ça, vous voulez me tuer? Non, c'est pas que pour ça. Le coup de pompe. Tu l'as oublié, le coup de pompe pour une boule de neige? Tu l'as oublié? Monsieur... T'as oublié aussi à chaque fois ta petite phrase que t'aimes bien dire? La prochaine fois, vise la cabeça. Bon, vous tu l'as oublié? Vous me laissez vous parler, mais vous me laissez pas répondre. Oui, je sais. Oh, j'avoue, il est dans la merde, la risa. Qui n'ont aucun sens non plus. Parce que moi, j'ai rien à voir, les gars. J'ai pas le temps de les dire, vous me laissez pas répondre. Bah, vas-y, parle alors. Vas-y, parle. Mais je sais plus, c'est quoi votre question pour la boule de neige? Monsieur, la boule de neige, ça fait mal. D'accord? Si j'ai mon fusil à pompe dans les mains et que je crie trois fois à l'individu de s'arrêter et qu'il ne s'arrête pas, qu'il se retourne et qu'il me lance une boule de neige. T'as pas crié deux fois. Je vais user de l'arme que j'ai dans les mains. Que j'ai à ma disposition. Oui, mais je ne l'avais pas dans les mains, c'était le fusil à pompe que j'avais dans les mains, monsieur. Excuse-moi, y a vraiment zéro blague là dans ce que je vais dire. Ferme-la. Vas-y. La personne n'est pas morte, je connais parfaitement les distances à laquelle je peux tirer avec mon fusil à pompe pour que ça ne tue pas quelqu'un. Vas-y, Bijou, tu peux y aller, excuse-moi. Non, mais moi j'écoute vos discours, il a raison, Riz.
Mais vraiment, il fait son travail. On fait notre travail, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Les gars, faire son travail, c'est faire son travail correctement, sans bavure, mais sans péter les couilles, sans faire des menaces avec j'attrapais... des tic-tacs, si vous m'aviez dit j'attrapais un de vous et je l'ai mis dans un coin et je lui ai mis des coups de matraque, j'aurais dit bon. Mm-hmm. Tu comprends? Là, c'est pas le cas. Oui, tu as mené un de mes pequeños en lui disant vas-y, parle, sinon je vais te prendre ton arme. Nan, en fait, je voulais pas dire ça, voilà les gars, je voulais pas dire ça. De jouer, mais ils m'ont pris au sérieux, du coup j'ai parlé à un truc sérieux. Sinon, je te prends ton arme, du coup je l'ai pas pris en plus. Non. Tu lui as dit parle. Donne des informations, sinon oui. Je prends ton arme. Merci Noah, merci mon frère. Il n'a pas donné d'informations. Welcome in the hood, bro. Il a une pression mentale sur mon gars. Non, attendez, mon gars, à l'heure actuelle, il voulait mal raconter. Il est choqué. Hein. Mais moi, j'ai rien à voir avec tout ça, moi. Il voulait mal raconter. Je l'ai arrêté. Faire son travail, ce n'est pas faire des bavures. Non, ça, c'est pas ça. En fait, c'est pas ça à l'envers. Et c'est pour ça que c'est important. Votre gars, je l'ai arrêté. Je lui ai pris son arme. Je lui ai dit tu me donnes des informations. En échange, je te rends ton arme. Il ne m'a pas donné d'informations. Du coup, j'ai juste fait la procédure habituelle. C'est-à-dire le mettre en prison et garder son arme. Avec des menaces en plus, du coup. Il a du coup choqué mon. Des menaces de quoi? Des menaces physiques? Bah, ouais. Si vous me permettez, vous avez le droit de porter plainte, monsieur, contre un agent de police. Oui, d'accord, porter plainte. Tu vas me lâcher la même chose pour le gouverneur, faut porter plainte, faire un dossier. Bah oui. Que derrière, y'a rien. Pour que derrière, bah, si. Une mascarade. Mais est-ce que vous l'avez jamais fait aussi? Pour qu'une mascarade soit mise en place pour que comme avec le gouverneur. Hein. Mais regardez, vous le savez vous-même que vous l'avez jamais fait, monsieur. Vous parlez, mais vous l'avez jamais fait. Oui, mais parce qu'on sait très bien que ça ne fonctionnera jamais. On a essayé de dialoguer avec les capitaines, etc. Mais vous avez les cartes. Rien. Vous avez les cartes et la clé en main. La justice est bien faite, monsieur. Oui, la justice est tellement bien faite que quand tu discutes avec lui, tu rigoles avec lui comme si t'étais un clown. Ce genre de situation, ça arrive normalement. Non, mais vous avez fait un truc de fou, monsieur. Mais oui, envoyez quelqu'un de sérieux chez vous, il y a forcément quelqu'un d'intelligent dans vous. Ah non. Bah si. Non, réponds pas, c'est une stratégie. Ah merde. Il est trop fort ça, c'est Nikos. Okay, je sais que vous faites d'être. Oui, je comprends. Très bien. Non, oui, vous avez raison. J'ai raison en plus. Non. Toi, j'avais dit quoi, il faut des stratégies. Viens me donner raison. Oui. Non, vous avez, non, vous avez tort. Mais laisse-moi dormir. Non. Si j'ai tort ou raison. Bon, je me tais vraiment. Aïe, mais je me tais ou quoi? Aïe. Riz. Oui, bijoux. Encore une fois, je vous entends. Hein. Tu penses qu'on peut le grimper? Bim! Oh! Ah j'ai dit que tu peux me gratter le dos, ça me gratte. Ok. J'ai dit. Hein? Derrière, c'est très haut. Ah, okay. Je vais vous faire péter la tête, hein! Ok, allez quand vous voulez. Monsieur derrière moi, vous pouvez me gratter l'épaule droite? Parle-lui avec le pétard, comme ça tu y verras au cas où si ton doigt est... Non, pas avec le pétard, non. Même avec votre zizi, mais pas le pétard, s'il vous plaît. Non, vraiment. Oh, s'il vous plaît, non. Comme ça. Non, mais c'est parce que ça, c'est dangereux, ça peut me faire mal. Monsieur. Non, je vais pas enclencher, regarde, je mets la sécurité. Merci. Hop. Non, la mets pas, justement. Non. Oh, ouais, prends, ouais. Chut. Vous passez une bonne soirée? Non. Ah bon? Façon, ça va. Mais de toute façon, vous êtes au courant que là, si vous allez nous tuer, ils vont vous tuer. Donc tout le monde va être tué, donc ça sert à rien. Et ça, vous êtes intelligent pour savoir ça. Oui, on le sait. On est intelligent. Oh, monsieur, mais vous avez des bracelets. Mais on peut savoir qui vous êtes? Non. Oh, Riz! Si, mais il est au courant, le capitaine. Oui, bijou, oui. Il a demandé à vérifier les bracelets. Ah, ok. Ils ont des bracelets? Putain, on va mourir. Je savais qu'il fallait pas que j'aille en patrouille avec lui. Vous savez combien j'ai pris d'armes au Malo? Combien? 7. En une 17 fois. 17? 7, 7, 7. Ah 7. Ah oui. Je sais pas, le groupe de hameau. C'est les bateaux. Les bateaux. Les malos, ils ont juste kidnappé un agent du gouvernement. Ils étaient tous en cavale. Sanji! Ah, c'est mon frère! Vous avez tiré sur un bon. Chez vous, et en plus derrière, vous avez pris en otage. Vous avez mon frère, vous avez plaisir. Je découvert. Il vous est rien arrivé. Je vous ai mis des sabots, vous me prenez en otage avec un fusil à pompe. C'était les sabots de trop, apparemment. Bon, les gars, j'écoute le son de PNL. Ouais. Oh, je t'entends, hein! Oui. On t'entend.
pas l'impression que je suis devant toi là, je merde. D'accord, ok, monsieur, François Lemur, vous vous appelez comment, monsieur? Moi? Oui, vous. À toi, elle a dit quoi? François Lemur, oui, comment? C'est comment, monsieur Pink. 1, 2, 3. Ah, j'ai une crampe. Oh là là, fils de pute. Oh là là. Fils de pute. Oh là là. J'espère que tu meurs. Oh là là. Oh mon dieu. Vous voyez, je vais pas mentir, hein. Je vous l'ai dit qu'il était con ou pas? Oui, il est vraiment con. Oui, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Il est vraiment bête. Il est pas méchant. Oh mon dieu, je vais mourir ce soir. Oh là là. Oh non. C'est vrai que tu es le premier à avoir la petite. Oh non. J'ai pas envie de mourir. Purée. T'es vraiment un faux frère, Riz. Oui, mais je voulais tester, voir si vraiment. C'est vraiment quoi? C'est vraiment. T'es bête, quoi. Putain, mais j'ai cru que c'était sérieux, les gars. Là, tu sais que je voyais une porte de sortie dans ma tête, là. Je me dis, ça y est, c'est la fin de ce désastre. Purée. Pas trop hors, on dit. Bon, c'est quoi, là? Ils font un date, là? On tire la chandelle? Ils discutent, hein. Bon, d'accord. Madame, il est beau votre mascara, Osier? Oui, gracias. Vous êtes de quelle origine, madame? Eh oh! Qu'est-ce qu'il y a, bête, monsieur, hein? Enlevez votre masque, vous avez du mal à respirer, monsieur. Tu bois quoi, là? Je suis en train de m'énerver. Sentez bien, Herman. Non, parce que c'est. Il y a l'odeur, là. Un problème. J'ai l'impression qu'il y a un quiproquo, là. Non, pas de soucis, monsieur, ça sent votre bout, ça sent la moulkhia, quoi, monsieur. Enfin, bref. Ok. C'est quoi, ça? Je sais pas, c'est sûrement un plat de son pays. De toute façon, madame, on sait à quoi vous ressemblent vos yeux, donc on va savoir qui vous êtes. Ah oui? Ouais. Et je suis qui? Même madame. Ah ah. Attends, ta grande gueule, là. On a reconnu votre démarche et votre boucle d'oreille. Ah oui? Bah si. Même vous, derrière là, votre il m'est particulier, votre Il est particulier, Armand. Ouais. Bah, c'est parfait. Je serai à me retrouver. Excusez-moi, avec la casquette derrière, là. Moi? Oui, vous, la tête de... Ah. Oh. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La tête de mec dangereux, là. Pas du tout. C'est quoi le prénom, monsieur? On fait notre travail, monsieur, là. Ah. Et... Ah, vraiment. Non, mais c'est pas... Mais votre casquette, elle voit vraiment bien, par contre. C'est quelle marque? Je sais même pas, je sais pas, ça coûte 200$. D'accord. Vous l'avez acheté où? Au magasin. Ah oui, quel jour? Oh, ça fait longtemps. J'ai toujours sur ma tête, cette petite Arrête, casquette. Arrête, vous rentrez dans ta tête, c'est un plan, il va encore t'avoir, t'es con ou quoi? Oh. Vas-y, barrez-vous, là, les flippins, ça y est, je sais pas. Oh non, faut pas que ça se termine comme ça, tuez-nous au moins, non, vraiment. Comment ça, tu es non? Non, je rigole. Non, vraiment, j'ai peur. Attends. Non, c'est une blague. Bidon, mais pas ça. Ah non, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'un bidon? Oh, il a perdu patience. Oh non, mais non, mais. Ils vous ont pas écouté, c'est ça? Dans les voitures, là, et vas-y, on t'es blindé, toi, connard. Moi j'ai rien. C'est pas ça, c'est qu'on essaie d'expliquer les choses, mais visiblement. Si je dois avoir ça, ah non. De forcer, de j'ai des boîtes de mission si vous voulez. On va vous rendre, on va se barrer. Voilà. Prenez, ils ont deux. Mais il se passe quoi, j'ai pas compris. En gros, on essaie de faire comprendre les choses. T'as vu, les choses qui dérangent, t'as capté? Parce qu'à chaque fois, le capitaine. Tiens, rien, même. Oui, il voulait discuter avec moi comme un problème avec un agent, hein? Chose qu'on fait. Là, du coup, vu que je vous dis qu'il le fait pas, parce que c'est. En fait, il le faisait. Mais il le fait pas au cas où aussi pour comme Riz exemple à Riz t'as vu il ne fait jamais. Rien quand t'as vu les gens pas, garde ta mère et du coup bah là mais il, monsieur c'est le plus grand, c'est l'histoire, excusez-moi monsieur, je parle pas avec toi, ne parle même pas avec moi, je parle pas avec toi. Mais monsieur vous faites des parle pas, ferme là, oui je vais te rendre, tu vas aller parler avec ton capitaine et voilà, j'explique à mes gars je parle pas avec toi, du coup voilà, du coup ça sert à rien. Après il parle de oui quand y a un flic, les gars, ils m'ont enlevé le bracelet? Ah non! En fait, tous les flics, la plupart des flics, maintenant ils font les cowboys. Ah non, il a pas réussi, je crois. Et on sait pas pourquoi, mais du jour au lendemain, ça fait une semaine et demie, deux semaines qu'ils font les cowboys. Donc ça sert à rien, il veut pas comprendre. C'est dommage, les gars, c'est dommage. Ça sert à rien. Ok. Et à lui, on lui met même pas une balle? Pas cap. Non, je rigole. Non, la vie de mer, je rigole.
Je vais. Non, je vous jure. Ah, mais regarde, t'as vu, voilà, t'as vu, l'exemple tout con encore une fois. T'as vu, après, lui, tu lui vois, juste je vais pas le défendre. Mais je m'en bats les couilles qu'il soit con. Oh merde. Justement, regarde. Non. D'accord, t'as vu, c'est bijou, donc vas-y, tranquille, t'as vu. Mais justement, c'est l'exemple tout con. Mais oui, mais ça, je sais. En fait, t'as vu, il y avait que 2-3 flics qui le faisaient. Maintenant, il y a 70% des flics. Ah, pardon, c'est vrai, il a raison. T'es pas cap, tu vois ce que je veux dire. Non, t'as raison. Non, la vie de meurtre, t'as raison. Non, je comprends. Mais moi je pourrais vous dire une vérité qui va vous faire du mal mais qui vous ferait du bien au final hein. Vas-y dis. Vas-y on parle. En fait ça manque de profondeur tout ça, donc c'est pour ça qu'il y a une mésentente. Il y a des proportions qui sont beaucoup trop grandes par rapport à aux actes. Par rapport au problème central, oui. Du coup ben les policiers ils ont du mal à vous comprendre et vous avez du mal à exprimer votre putain les gars, ouais c'est ma faute les gars, j'ai merdé là. Donc t'es en train de dire que c'est nous le problème, c'est ça hein? Oui, ce que je dis. En fait, votre chef, forcément c'est compliqué d'expliquer aux policiers le souci, sachant qu'il n'y a pas vraiment de souci en fait. À part oui, les policiers, c'est mais s'il n'y a pas de souci, d'accord. Non, mais à part dire oui, ils font les cowboys, ben il y a pas grand chose. Je voudrais pas vous énerver, monsieur. Non, mais c'est pas grave, s'il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Je suis pas le seul, hein, t'as vu tout. Mais non, mais monsieur, vous êtes fermé au débat. Donc, mais en fait, faut pas dire qu'on est fermé au débat alors que je viens encore une fois essayer de discuter avec eux. Hein, ou c'est eux qui sont complètement fermés au débat, dire oui mais non mais c'est oui mais non. Donc ça sert à rien qu'il y ait discussion, on te barre et voilà. Tout le monde pense la même chose les gars, c'est juste que tout le monde ferme sa gueule parce que tout le monde c'est des salopes dans sur son adresse. Ah oui c'est normal, on est la police monsieur. Ouais. Mais police bah police, t'as vu, bah nous on est pas des salopes à se faire bouffer le cul comme ça. C'est vrai. Ah. Tu mets plein pas dans ta voiture? Oui. T'as vu juste récupérer les mêmes choses dans la même voiture? Je vais récupérer mes affaires. Moi aussi, s'il vous plaît. On va te les mettre. Là. Ah là là, je remercie Dieu d'être encore en vie. Hein. Un shafter là, qui c'est qui descend là? Oh là là. Dieu merci, j'ai fait une frayeur là. Moi aussi, hein, mais je vous dis pas. Je vais mes affaires. Monte dans ma Buffalo si je les mets pas en prison. Hop là! Bien sûr que t'es pas cas, bien sûr! Hop là, collègue, c'est bon, je suis là, collègue. Tu sais que j'avais même pas peur, hein. Même pas peur. Je sais que t'avais pas peur. Tu sais, quand je transpirais, je faisais semblant. J'aimerais bien savoir ce qu'ils se sont dit, les collègues. Ben, je sais pas. Bah, j'aime pas, moi, les voir saoulés. Bah, oui, mais ils sont grave bizarres, hein. Franchement, je te l'avais dit, ils sont grave bizarres. Ok, retour sans presse de bon. Merci de m'avoir sauvé la vie, les collègues. Pas de soucis. J'aimerais bien me les faire, donc donnez-moi un véhicule, il y a besoin de renfort, j'arrive. 60 pour Radio Key et sur la Buffalo, s'il vous plaît. 88. Attends Pierre, je vais te dire un véhicule qui est tout seul. Ok, 88, t'es où, je te rejoins? 23. Oui, 42. Allez sur notre oui, on peut prendre en otage. Attends, t'es en train de poursuivre quelqu'un là? On arrive là avec 07. Ok, mais est-ce que t'es en train de poursuivre quelqu'un? Pas encore, mais on arrive. Ok, attends, on se rappelle après, d'abord je fais la poursuite. Vas-y. 113, rejoignez la poursuite de la shafter, vous êtes dispatché dessus avec Bijou. Ils viennent de perdre la shafter. Oh merde. Ils ont perdu vers où? Perdu vers où les collègues? On a perdu les gars, on n'avait pas l'HP sur dessus. Oui, mais vers où? S-Bank Arena. Ah, ok, tout droit. Ok, ça marche. C'était les riffas, je pense. Hein. Capitaine, vous me recevez? J'ai quelqu'un d'autre, 60. Oui, ben. Qui? 08 50 06, le numéro. Il était avec moi sur la Buffalo au niveau de la sécurité. Aujourd'hui, si tout va bien, tu meurs à cause de tes collègues MDR. Ouvre l'œil, hein. Ils ont perdu Maze Bank Arena. Ouais, j'ai l'œil. Quand t'as peur et désespéré, en général, tu vas aller vers l'aéroport. Alors, ouais. Ouais. Bon, quand j'ai peur et je suis désespéré, je me suicide, hein. Franchement, c'est suicide. Arrivé? Ah oui, je me suis beaucoup suicidé, moi. Je suis quelqu'un qui. Qui est très susceptible. Suicidable. Mais en vrai, je suis d'accord avec les deux camps. Hein. Nous, on est la police et eux. Ouais, ils rentrent dans les problèmes s'il faut. Mais qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Mais oui, c'est ça en fait. Si vraiment ils veulent qu'on ait peur, bah ils auraient pu nous tuer, vraiment. Fallait qu'ils nous tuent. Là, les collègues, ils auront peur. Je suis quand même content qu'ils l'aient pas fait. Oui, moi de même. Ils ont pas de patience en fait. Voilà, moi j'aurais pu rester comme ça pendant une heure encore, hein, franchement.
Ouais, c'est vrai. Il avait l'air vraiment énervé, le mec, avec le pompe, là. Ouais. Là, c'est vraiment une mauvaise idée d'entrer comme ça, mais après, c'est pas grave. Oui, mais bon. Bon, une fois ou deux, c'est pas grave, hein. C'est un avantage. Bon, on en est, hein. Ouais. Jamais 203, comme on dit. 77, on sera sur le dernier... Est-ce qu'il y a besoin de renfort quelque part, là, s'il vous plaît, sur le... la prise d'otage? 5 pour la banque, ouais. Vous êtes combien, là, derrière le véhicule? 3. Mais ils ont tout perdu, là? On a besoin de 35, nous, on est sur une exemplaire qui était autour de la prise d'otage. Allez-y, on... Appelle-moi, on arrive. Ou appelle Bijou, appelle Bijou. Ou appelle-moi. Bijou, c'est quoi ton TPH? C'est le 555-9450. Oui, bonsoir, Sasp, bonsoir. Ok, Bijou, copain. Oh. Hein? Oui, bonsoir, collègue. Ok, on est Binko Mission Row. C'est juste derrière vous, là. Binko Mission Row, ok. Continue, hein. Donc Binko Mission Row, là, on va... Quelle direction? On reprend le pont, là, à côté du Binko. Qui va direction Mary Wazer? Non, vers la Colina. Vers la Colina, ok. Ok. T'entends, Risa, t'entends? Ouais, j'entends. C'est vous derrière nous, là? Non, les 5, là, Riz, il est en fond 3ème, là, et on arrive. Dis qu'il continue, il est derrière nous. Ensuite, demande-lui qu'il continue. On est à... Donc là, le LS... On passe devant le LS Custom, là, Mission Row, là. Qui est HP au niveau de la Mesa? Mission Row? Ok, d'accord. C'est nous. Continue, collègue, l'écho, là. On passe devant la Mesa, là, actuellement. Le poste de la Mesa. Ok. Direction SFX. Vous attendez à partir de 1h. Ok. SFX, c'est toujours vers la Mesa, là, tout droit. Là où t'es, là. Continue. Wardog, là. Tout droit à gauche. Je prends à gauche. On est sur Wardog, là, actuellement. Ici, là. Wardog, okay. Frigid, quoi. Où? Wardog, toujours Wardog, là, on tourne. Où ça, Wardog, collègue? Au milieu, à côté de la boucherie, là. C'est pas clair. Regarde, t'appelais-moi. Boucherie. Ça fait 30 heures que j'ai pas d'ordre. Va à gauche, collègue. Et là, attends, je vais anticiper. Ok, vas-y. On va arriver à 4 bus, là. Ok. Cimetière bus. Donc tout droit, Riz. À côté de Frigide. Riz? Oui, c'est bon ça. Ah, ok, pardon, désolé, my bad. Sur la Bifalo, là, vous pouvez comprendre qu'on passe devant. Et en 3, chez JTPH. Ah, qui restait derrière. Ensuite? Là, on est toujours à côté de Casbus. Ok. Boucherie, pardon, excuse-moi. Ah là là, collègue, c'est pas clair. Ouais, mais je suis fatigué, moi. Bah prends de la coke, je sais pas, fais un truc. Voilà, tout droit, collègue. Ah, tu l'as vu, Ok, appelle. C'est bon, je suis Riz, tu l'as vu? Ah, oui, je l'ai vu, mais attends. Ok. Je sais pas si c'est à droite ou à gauche, tu vois. J'arrive sur Vagos. Ah, Vagos, bah, sur le pont. Il est lent, ils sont lents, c'est quoi? Ouais, de fou. À côté des Vagos, là. En ballast. Vous êtes passager 88 ou pas? Pas Singlewood. 5. Direction Unicorn. Quel 10-22, direction Metz Bank Arena. 16. 10-22, direction Unicorn. 62. En face, à droite, tu l'as vu, à droite, Oui, mais attends, mais il a dit direction l'unicorne. Mais non, il est bourré, c'était là-bas. Il se fout de ma gueule ou quoi? Oui, totalement, mais à gauche. Benise, là, face au côté de Benise, flamme olympique. Oui, non, mais vraiment, je suis d'accord, mais je vais pas le dire de voix parce qu'il va m'entendre sinon. Mais ouais, à droite. 05 s'est fait dérober, sa tenue été et hiver. Là, le UU Café. UU Café? Ouais. Ok, à gauche, oui. Ah, c'est pas eux? Non, eux, c'est autre chose. Ah oui, merde, putain. À côté du musée, là, actuellement. Museum, ok, bah là tu vas la voir. Ça, je me suis dit, bah oui, mais non, mais c'est quoi, ils sont dans oui, non, totalement. On revient Little Seoul. Ok, à gauche, on va les avoir là. Ah, voilà, à gauche. Ah. Ok, Little Seoul. Tu le vois. Ouais. LTD Little Seoul actuellement. Il tourne à gauche ou pas après? Non, à droite, ok. Oui, gauche. Non, il est bourré, il est bourré, le collègue. J'ai vu les mules, mais ça, ça. Ah, mais c'est juste qu'il ralentit. Non, pas de soucis, collègue, mais t'es bourré. Mais ouais, ok, tout droit, ok, jusqu'à 4. On a pas vu 4, devant la marina là, actuellement. Il est bourré. Plan Mulfridget, merci beaucoup, No Face. Là, direction casse. Parce qu'à ton okay, voit. On est à côté de la casse actuellement. C'est bon. C'est nous les, okay, la voiture. Tu peux l'arriver à la gauche, ouais. Direction casse bus. Parfait, ça l'anticipation. Continue tout droit. Super. C'est bon, vous l'avez? Nickel. Jusqu'à. Vas-y, bijou, je te raccroche. Vas-y, bisous, à la prochaine.
Ah jamais, t'es fou, jamais. Malade ou quoi, lui. Jamais. Oh là là, c'était un désastre. Mais je comprends pourquoi ça fait prendre en otage, regarde, il est bourré, 30 heures il a pas dormi, bah ça y est. À chaque seconde, j'ai l'impression que je vais mourir. Ok, information, il va où? 10-4. Il va, voilà, vous l'avez. J'ai paniqué. Non, Oui, on l'a, Il bouge plus. On lève les mains. Incroyable. Merci beaucoup. Oh là là. Quel beau geste du capitaine. Oh mon Dieu. Ça c'était propre. Du jamais vu. Je mets les mains. Je mets les bras, qui conduit 4x4. Je mets les bras là, madame. Quoi? Bravo 42. Ah oui. Bravo. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Merci. Je mets bon, mes menottes. Madame, je vous aide à vous, à vous relever. Vas-y, 1, 2, 3, hop. Oui. Félicitations, baby, 42. Je vous soulève. Voilà. Faut que tu lèves mes menottes. En prison, salopard. Attendez. Monsieur, taisez-vous. Pardon. Vas-y, madame. Levez-vous. Oh, le collègue a des menottes, j'en ai plus. Non, j'en ai. Mais c'est parti où mes menottes, madame? Rendez-les-moi. Menottez-moi. Bon, les collègues, je fais une palpation du véhicule. Pas de passion, oh mon Dieu! 03. Y'a quoi? Y avait une arme, je l'ai prise. Ah oui? Ah ouais? Ouais. Moteur. Ouais, t'as un moteur supérieur, c'est le 23. Oui. Je suis avec 90. Désolé, c'est ma faute. Pas. Non, on va en parler. Non, c'est bon, l'arrêtez. Monsieur Cool? On va en parler si tu veux. Ouais. Super ça, bravo les collègues. On va dans un bureau après avec le capitaine. Ah oui? Ouais. Retournez-vous, je vous palper. Et on verra tout à l'heure. Oui, c'est... Finissez votre opération. On verra tout à l'heure. Non, c'est la fin. Franchement, bien joué à tous. Baby. Je veux conduire. C'est donc comme ça que se termine, bijou. C'est poussé par mon caillou, par contre. Oh mon Dieu. Non, ton caillou, je te laisse, t'as vu? Oui, j'y tiens. Bonsoir, donc on est actuellement en direct. Voilà, donc comme vous pouvez voir, la police fait toujours bien son travail. Vraiment, tous les citoyens de Los Santos, vous pouvez rester en sécurité. Elle avait une arme sur elle. Voilà. Sereinement. Ah oui, SBR. Une arme. Attends, je vais enlever ce masque-là. C'était pas grand-chose. Voilà. C'était une petite... Bijou. De quoi, une petite quoi? Merci, monsieur Bijou, merci. T'as écouté le son ou pas encore? Non, j'étais en train d'écouter là un peu. J'ai écouté un peu pendant la poursuite, un peu par-ci, par-là. Pourquoi? Ah, je vais écouter là. Toi, t'as pu écouter pendant la course poursuite. J'ai écouté vite fait. Une réunion, on est en train de faire une réunion. Ils sont barrés. S'il vous plaît, mais c'est coupé la caméra. On est en réunion privée. Oui, on est sur. On parle des bavures qu'on n'a pas le droit de parler. Ouais. Ah, d'accord. Bichot, t'as fait quoi? 69 pour capitaine, je vous attends où? 5ème étage, venez. 10-4, bien ici. Ah, bah, vous attend. Du coup, 10-10, les collègues, bonne soirée. Oui, capitaine. Tu confirmes, viens dans le bureau 5 aussi, s'il te plaît. Oh mon dieu, les gars, c'est la merde. 50, 10-10, bonne soirée. Oh, le bureau de baiser, les gars. Oh non. On est pas sur la temporalité. Ah, c'est fini pour Dossard là. Merci Sanji, merci mon frère. Apparemment, d'aller mettre des sabots partout. Apparemment, il y avait des véhicules Rifa sur zone de ce qu'on disait donc. Ok. Ah, dans tous les cas, si c'est l'artiste. Je voulais savoir ce qu'ils lui ont dit à Riz. Que si c'est Riz. Oui, au pire, il passe après Riz. Mais respect. Ouais, vas-y, sors. Vas-y, Paul, désolé. Ouais, si c'est revendiqué Rifa ou si... Oh mon Dieu, je suis fini. Je suis fini. Partons du principe aussi que ça ne l'est pas. Mais ça va être compliqué pour eux, là. Ouais. Les personnes rattachées à ce groupuscule criminel qui ont un casier judiciaire... Là, c'est une fin de deux semaines ou c'est une fin des fins? Logique, je parle juste... Environ. Je sais pas, il va falloir que tu défendes bien. Ouais, oh mon Dieu. Moi ça rentre pas dans... Enfin, moi j'ai rien à dire, oh mon Dieu. Je donnerai un avis. Et, mais t'as merdé Bijoux, hein. Ah oui, je sais, oui. T'as merdé de fou furieux Bijoux, là. Oui, je sais. Non mais là, je m'attends à ce que je me fasse virer, là, de la ville. Donc ça va. La vie. Non, donc ça va. En gros, je me mets le truc le plus hardcore dans ma tête. Comme ça, y a rien qui me fait peur. Pourquoi tu vas aussi loin, mais n'importe quoi? Non mais... Non, en fait, parce que... Non, t'inquiète. Du coup, ils ont fait le plan mule, ils sont partis. C'est pas de la ville, n'importe quoi, mais ça va. Non, bah non. Ok, d'accord, ok. Là, okay. Ça craint pour ta place de policier, là. Oh mon Dieu. Ok. Non, mais bon. Là, ta place de policier, ça craint, Bijou. Ouais, au calme. Je vais ouvrir un rinté à Englewood. Tu m'as manqué, mais par contre. T'avais bizarre, non? Oui. T'as une tête énorme maintenant. Non, c'est mon col roulé qui fait ça.
C'est mon col roulé qui sert beaucoup le coup. Ça te fait une tête de fou furieux, hein. Ah bah d'accord, bah franchement, je le prends mal. Toi, vraiment, au début, j'ai cru que tu t'appelais Moulou de Kefta, là, au début. Avec ton petit bonnet, là, et tes lunettes. T'aimes pas ? Si, j'aime bien, ça va, j'aime bien, c'est mignon. C'est mignon, ça te fait une tête, ça te fait une petite tête. Oui, je me suis dit que ça faisait une tête mignonne. Ah bah oui, bah faut bien recouvrir les cheveux. Ah non, non, pardon, j'ai oublié. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, moi aussi, c'est vrai. Il m'a répondu, va te faire foutre à plusieurs reprises. J'ai maintenu mes trucs, mais bon, voilà. C'est pour ça que je vous dis que j'ai été. Les gars, venez, je fais peur à Riz. C'est pas grave. J'ai eu de la chance, les mecs. Et ils ont dit, ils te veulent tout de suite maintenant dans le bureau. Et là, mais je trouve pas. Je crois que t'es dans la merde. T'es où, t'es où? Je trouve pas l'étage 5 en fait. Attends, va au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée. Ah, c'est bon. Ah, t'es là. Ok. Ah, c'est moi, regarde derrière. Regarde. T'as vu? Force, hein, force, force, force. Force. D'accord. Donc Tu leur as demandé pourquoi ils sont pas venus porter plainte? Ben, parce que c'est des gangsters, hein. Mais c'est ce que j'ai dit, moi. Merci, Rex. C'est ce qu'ils ont dit, hein. Mais c'est moi. Oh, c'est un bâtard, il me fait pas de passe dé là, les gars. Des gangsters, mais en gros, en fait, eux, ils avaient un mal-être global. Putain. Sur le fait que, ben. C'est beaucoup, Rex. Je respecte pas leur quartier. Je devrais avoir la boule au ventre quand je suis dans leur quartier, sauf que moi, ben, je suis pas trop du genre. T'as fait quoi? Bah, t'as l'heure. Je l'aurais dit, les gars, portez plainte. Capitaine. Oui, oui, je le conçois. Mais c'est pour ça que je t'ai rien dit. Ouais, du coup, ils étaient pas contents. Ils ont fait remonter leur mes comportements. Je sais plus, les gars, je sais pas, les gars, sur quoi ils vont me parler. Les sabots ont été enlevés une heure après, hein, la dernière fois. Oui, je sais. Mais les gars, je pense que c'est les Rifa. S'il y a lui, en fait, et lui dans le bureau. J'avais un doute. C'est la merde. Bon, ok, j'ai tiré deux fois avec un fusil à pompe. La merde. Qui m'a acheté une boule de neige, capitaine. C'était une fois à Inglewood et une fois chez les Rifa. Et sauf qu'ils m'ont dit tic tac tic tac. Et ça c'est vraiment. Mais vous étiez là en plus, je crois. Oui. Voilà. T'as mis un tag chez eux. Ouais, c'est ça. Même okay. Je leur envoyais des messages, je marquais tic tac et. C'était une radio, je marquais tic tac. T'as tiré sur un autre mec au fusil à pompe? Oh. Inglewood, ouais. Oh. Pourquoi? Ben j'ai cru que c'était un cocktail Molotov et en fait pendant la trajectoire du débris, j'ai tiré. Oh, ça a baisé. Ton fusil à pompe, je voulais reprendre. Non, oh. Mon capitaine, pardon. Oh. Si. Non, pardon, mon capitaine, oh. Pardon. Oh. Ok, mais c'est pas confirmé que c'est les Rifa du coup. Parce que si c'est confirmé, on fait une descente chez eux maintenant. Hein. Ah, c'est confirmé. Hein. J'en suis sûr. Bah, on fait une descente chez eux maintenant. Genre, y a personne qui a dit oui, je suis à Rifa ou personne ou quoi, mais c'est, ça me semble évident, faut pas faire le mongol là. Ah putain, ça va créer okay. Des problèmes ça. Vando, tu peux appeler le proc pour qu'il nous fasse un petit mandat de perquis en même temps? Est-ce que j'ai le temps de faire un petit pipi, capitaine, yes. Avant qu'on fasse la descente? Évidemment. Super, merci. Tu peux appeler le Nord 42, comme ça ils viennent aussi. Dans les son plaisir aussi. Ouais, je peux leur proposer. Allez. Oh là. 42 pour All Unit. Ah, il. Plus là. On va faire une descente chez le Rifa, ça intéresse du monde de venir. Ouais. Il y a une descente, les gars, vous pensez que je vais être invité ou pas à la descente? Oh non, putain! Bon. Quelqu'un voit avec la substitution parce que le proc n'est plus là. Oh non! Appelez Miller. Par contre, la dernière fois qu'il y a eu une descente, c'est parti. Je vais demander, hein. Là, c'est là, il n'y a pas de fusil. Je vais demander, les gars. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on vient pas avec. Putain. On vient pas à la matraque, hein. Non, armement main pour. Si je suis viré, les gars, j'ouvre mon serveur. Non, moi je crois qu'il descend à la matraque. Les gars! Officier Well. C'est Rookie maintenant, mon supérieur. C'est votre tour. Ah, Rookie. Bien. Allez-y, cool. Oui, mes respects. Mes respects à point. Bon, vous m'expliquez le comportement dans le véhicule? Avec lui. Le véhicule? Ouais, vous étiez à bord du véhicule qui était juste devant nous. Oui, j'ai fauté mon sergent. Mon lieutenant? Ok. Et c'était dans quel intérêt de dire même pas cap? Dans l'intérêt simplement de faire une petite blague. Ouais. Mon sergent. Bijou, il y a des moments où on peut rigoler, d'accord? Même si je suis pas quelqu'un qui rigole de manière générale, voire jamais, il y a des moments pour rigoler. Et il y a des moments où il faut du sérieux. Les gars, je veux parler ça maintenant. Là, depuis le début de la soirée, ça part dans tous les sens depuis le début. Avec les calls radio qui ont été catastrophiques, littéralement. Quoi ? Vous vous permettez de provoquer ? Je vais devenir aigri. Vous et quand bien même si ça avait été un collègue. Alors, mon sergent, désolé oui. de vous couper. Je suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Alors, je vais vous dire une vérité aussi. Pendant un bon moment, j'étais vraiment sérieux. Pendant un long moment, j'étais sérieux. Je fais des calls qui passent nulle part. Je fais un call prioritaire. On me dit, reste calme. C'est comme ça qu'on se fait PO. Hein. J'ai dit call prioritaire, les collègues, j'ai fait un call. Donc, à un moment donné, je me suis dit quoi? Nique sa mère.
personne m'écoute. Je reviens dans le bijou qui fait les guignols. Ça c'est pas la bonne comme solution. Ça. Bah oui. Déjà de 1 parce que les gens avaient entendu et les gens étaient dans la direction. Mais je suis désolé, de demander à mes collègues qui m'entouraient ou j'en sais rien. Mais j'ai pas fait le bordel dans la radio toute la soirée. Non, je parlais de la radio en général. Ah non, vous m'avez pointé du doigt là. Comment ça? Bah vous avez clairement dit que c'était un bordel vos calls radio. Non, que les calls radio étaient un bordel. D'accord, très bien. Bah y'a pas de soucis, que la soirée était un bordel aussi par la même occasion. D'accord? Donc dans une situation comme ça, que vous ayez envie de rigoler c'est une chose, mais il faut remettre le cadre à sa place aussi par la même occasion. Bien sûr, vous avez totalement raison. Je suis pas votre pote. Bien sûr. Je suis pas là pour discuter avec vous, je suis pas là pour être gentil avec vous. Ah non, je suis pas là pour vous sourire, je suis pas là pour faire des blagues avec vous. Bien sûr. Je suis là pour faire en sorte à ce que demain, vous rentrez à la maison en vie. Ok? Bien c'est sûr, là que ça règle mon travail. Je le respecte, bien sûr, c'est votre travail. Effectivement. Parce que là, du coup, quand on a discuté 2 secondes avec le capitaine, ça se statuait juste sur merci, au revoir. Licenciement. Ah, c'est licencié? Moi, je vais statuer de manière simple, d'accord? Pour le capitaine, lui, c'est licenciement. Moi, je cherche pas à comprendre. Ah, d'accord, ok. 07. D'accord? D'accord. Quoi? On a discuté. On va faire les choses de manière très simple, d'accord? Que tu veuilles rigoler, tout comme les autres, y a pas de souci. Par contre, sur les moments de sérieux et envers les gradés, il va falloir que les choses restent à leur place. D'accord? Là, t'es en train de dévier un petit peu, d'accord? Ça commence à être un peu la récréation. Donc, on va revenir sur le vif du sujet. Sachant qu'à l'heure actuelle, la criminalité ne fait que nous tirer dessus ou nous prendre en otage en permanence. Donc, tu vas commencer à devenir un danger pour tes collègues. Et le tri, on le fait s'il y a besoin. Bien sûr, mon supérieur, mais je ne pense pas que c'est de ma faute si la criminalité augmente. C'est pas ce qu'on a dit, Bijou. Bijou. Après ce rendez-vous, vous irez faire un test de QI aussi. En fait, il est con, il est pas méchant, ouais. Mais il est con. Ok. Mais du coup, là, je suis viré, là, c'est ça? Non. D'accord. Mais, déjà, y a pas une histoire de mise à pied qui lui traîne dessus, en plus? Oui, bah là, prendre, là, je suis mise à pied, là, ce soir, et on m'a dit que à partir de ce soir, je suis mise à pied. Par contre, prochaine fois qu'il arrive quelque chose de vraiment problématique, vous serez renvoyé. D'accord? Ok, plus personne pourra rien pour vous. On est clair? Pas de soucis. En tout cas... Ouais. Là j'étais avec lui ce soir, il a été très bien, très correct. Il a même fait une procédure. Non, tu t'en avais en radio comme ça, Bijou, hein. M'énerve en radio? Capitaine. Parce que t'as fait un call, personne t'a écouté. Ça, capitaine, je veux dire la vérité, capitaine. Oui, mais on se faisait prendre l'otage dans la panique. Non, capitaine. En fait, vraiment. Là j'enlève le guignol, le machin, les blagues et tout. En fait, justement, comme je suis un blagueur tout le temps, quand je parle sérieux, vous pensez que je suis énervé alors que pas du tout. Pas du tout. Alors, ça t'a énervé? Bah, le truc c'est que il y avait un truc sérieux. Il y avait une prise d'otage. J'étais pas énervé. J'ai haussé le ton parce que je me suis dit peut-être qu'ils vont m'écouter cette fois-ci. Oui, mais le problème c'est que quand tu parles comme ça en radio, les gens ils pensent que tu les engueules. Et ça c'est pour tout le monde. Après, je suis officier 2, j'ai le droit d'avoir un mini grain de sel dans. Je sais, mais tu sais très bien que quand vous êtes sur des poursuites et qu'il y en a un qui commence à hausser le ton, et derrière ça va être le bordel. Et capitaine, là on se trompe de fautifs. Hein. Là, les fautifs. Là, on n'a pas de mandat de faire qui se prélève. Les trois agents là qui se sont fait prendre en otage alors qu'on leur avait fait un guet-apens de fou furieux avec Bugsy. Oh, ça, j'ai pas compris ça. Ils étaient encerclés et ils ont levé les mains. Les gars, faut que je fasse ça là. Qui? On a beaucoup de choses à revoir. Mais je sais pas c'est qui. Il y avait une meuf, elle avait les cheveux rouges, ce que je me rappelle. Mais quand ils se sont fait prendre l'otage, est-ce qu'ils étaient. Comment on modifie, les gars? Comment on modifie? Non, en gros, il y avait. Les gars, comment on modifie? Admettons, là, les deux d'en face, c'est Bijou et moi. Okay. Et là, il y en avait 3 ici. Et genre, au milieu, il y avait 4 IFA. Et ils sont retournés sur les 3. Et en gros, les 4 IFA, ils sont retournés sur les 3. Ouais. Et ils ont baissé leurs armes. Mais vous étiez juste en face comme ça là. Et moi j'étais en face avec mon gros fusil à pompe là, que vous voulez me prendre, qui heureusement m'a sauvé la vie d'ailleurs. Putain. Oui mais là-dessus je veux pas leur en vouloir. Bourlingueur, merde les gars, merde. Ouais, je comprends. Voilà, bon, c'est pour ça. Moi j'aurais bien expliqué aux agents, quand vous êtes foutu. Parce que c'est derrière comme après, si ils vont se dire, on est fautif. Ouais. Quand t'es arrivé avec ton gros pick-up que tu les as bloqué. Ouais. C'est comme si genre, moi en gros je me mets derrière, et après je recule. Et je lève, et je sors de la voiture et je lève les mains. Ouais. Oui, non, mais c'est pas grave, ouais. Je préfère que ce soit ça plutôt que derrière il y ait des fautes. T'aurais serré ta culotte 42. Capitaine? Oui. Tant qu'on est dans les bêtises, etc., juste j'ai envie de me réparer, mais j'ai fait une bêtise ce soir aussi. Ça fait non. Quoi? Non. Non, mais en fait. Justement, le test de QI. Non. En gros, là, justement, je vous dis après, tout. Vaut mieux savoir, est-ce que vaut pas mieux c'est savoir ça. Maintenant que la première. Oui, voilà, pour pas que vous le découvriez. Alors, dans le RA, dans mon rapport d'arrestation, j'ai écrit que l'individu avait un bourlingueur.
et pas un pistolet. C'est juste ça, c'est vraiment juste ça. Boulingueur légendaire, Jimmy. Tu as fait le même coup que la dernière fois? Non, en gros, c'est, parce que c'est mon correcteur. Ça ressemblait à un boulingueur. C'est vraiment, vraiment, on est d'accord, Riz, on est d'accord. Bijou, oui, oui. En fait, bijou. Laisse-moi t'expliquer. C'est juste le légendaire qui dérange. Oui, mais bijou, oui. Par pitié. Non, bah, bijou. Je sais plus, la dernière fois, il m'a dit qu'il y avait une AR, Scar légendaire. Non, mais c'est grave. Je sais pas comment l'enlever. Non, mais bijou. Un string. Oui. Bijou, regarde. Oui. Je sais que t'aimes bien rigoler. Non, mais là. Ça, c'est toi. Non, mais attends. Oui. Le truc, c'est que sur des dossiers comme ça, demain, ça va en jugement. Ton travail, ça ne servait à rien. Il... Non, mais ça oui, ressemblait mais vraiment en fait, à un boulingueur pour sa défense. Même si ça ressemblait à un boulingueur, ça n'est... on n'est pas dans un jeu vidéo, fait, là. Oui, mais on l'a appris après, parce que nous, on joue 3 Fortnite. Et après, on s'est dit, mais attends, boulingueur, ça existe. Et en fait, on s'est rendu compte qu'après, que... Non, vous l'avez après, t'es SLO, Riz. Oui, mais bon, je suis pas expert en arme, je suis armurier. Non, mais 42. Beretta, Riz. C'est pour ça que là, j'ai compris des erreurs, et c'est pour ça que je vous le dis maintenant, pour pas que vous le découvriez, que j'arrive pas à l'enlever, en fait. Et bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas contacter 37. Ok, et okay, tu vas okay. faire en sorte que 37 puisse modifier promis, ça. Promis, bah, après ma mise à pied, je ferai ça. Non, pendant ta mise à pied, tu vas le faire. Ok, je ferai ça. Donc, ça sinon, tu vas zapper. Ouais. Du coup, la dernière chose que vous allez faire, c'est un test de QI obligatoire. Il n'y a pas de proc, il n'y a pas de juge là pour faire le juge. En fait, le juge, il a dit il ne peut pas faire le mandat de perquise si on n'a pas les preuves sur un dossier. C'est un bon, Rizzo, là, c'est un bon. Je leur ai dit, je lui ai dit que vous avez pris un otage tous les deux là tout à l'heure. C'est un bon. C'est vrai en soi, non? Oui, bah oui. Ah, oui, oui. Oui. Et puis on n'a pas de flagrant délit là-bas chez eux, donc on peut rien faire. Il veut un dossier. Je l'appelle. Mais il m'a prévenu, du coup, capitaine, vous n'étiez pas là, mais du coup, prochaine bêtise, bah c'est viré. Il n'y a pas de blâme ou je sais pas quoi, il m'a dit. Voilà, c'est évident. Moi, t'es au courant, moi, là. Non, mais par contre, tu vas pas attendre d'avoir un dossier, là. Donc, mais sache que moi, je sais quand tu... Il faut taper maintenant. Quand tu es sérieux ou pas, ok? Oui. Mais après, bon. Je te connais en plus, je sais quand tu t'énerves et c'est très rare. De toute façon, toute bonne chose a une fin. J'ai envie de dire. Voilà, tu veux la liste de tous les RIFA? Vu le nombre qu'ils étaient... 22, passe-moi une liste de tous les RIFA ou quelqu'un qui l'a. Ouais, il faut, en fait, il y a juste à réunir tous les dossiers d'enquête. Je pense que les gars, le jour où je partirai de la police, ils vont sortir un petit manque. Je dis pas que je suis le GOAT de la police. Pas de mandat de mais je pense que je rajoute un petit côté où les gens vont sourire dans leur jeu. Je dis pas que les gens rigolent pas. Ah, mais ils déhaquent de fou sans moi. Plusieurs noms. Mais si je peux me vendre. Là, je peux donner plein de noms. Il se rajoute un petit délire. 8, vas-y, 10, 11, 12. Vas-y, par mail. Un petit truc. 22, tu m'envoies par mail. Okay. Enfin, en tout cas, j'essaye. Vas-y, je t'envoie ça. Mais bon. En fait, le problème demain, c'est qu'ils vont s'y attendre. Alors, si on y va maintenant, ils vont pas s'y attendre. Oui, demain, il y aura 15 millions de poubelles dans le quartier. Bah ouais. Là, en gros, c'est. Bam. Action, réaction. Non, non, il y aura pas de poubelles dans le quartier parce que demain, on va rentrer, on va leur payer. Non, mais voilà, du streaming, demain, ils seront préparés. Non, ils seront juste pas maintenant. Là. Moi, je pense qu'ils seront juste pas là demain et que. Vaut mieux qu'ils soient là, tu vois. Ouais, vaut mieux qu'ils soient là. Ah, non, je pense qu'ils vont juste partir en cavale. Hein. Un gang partir en cavale, c'est quoi? C'est compliqué, ça, non? Ah, je pense pas qu'ils vont se rendre. Hein. Tandis que là, si on attaque dans le quartier, là, qu'ils sont dans le quartier, paf, on attaque. C'est bon, non? Ils seront jamais dans leur quartier, ils savent. Hein. Tu veux que j'appelle Lazaro? Si tu veux. Bah sinon, avant la descente, on fait des repérages, rapidement. On peut faire ça, ouais. C'est tout envoyé, Miller. Oui, Lazaro, ça va? Nickel, merci. Je suis en train de décrire là, le dossier là pour mettre la loi Rico sur vous. Il y a 2 Z à Lazaro ou un seul? Il y a qu'un Z dans Romano. Après, il y en a qu'un? Ouais, après, t'es pas obligé de mettre une loi Rico, hein. T'as juste à venir chez moi, me péter chez moi, là, en tout cas. Bah, on va. Hein. Ouais, on va venir, on est en train de préparer tout le dossier, là, comme ça, histoire que vous puissiez vraiment pas vous en sortir devant un juge, quoi. Vas-y, ça marche. Ça me fait chier parce que c'est qu'un seul Z, hein. Ils s'y attendent, ouais, en fait. C'est qu'un seul Z-A-R-O. L-A-Z-A. Ok, d'accord, ça marche, mais vas-y. Oh, la dinguerie. C'est noté, merci, Lazaro. On se voit très vite. Vas-y, super. T'as entendu, la 42? Oui, j'ai entendu. D'accord, du coup. Il nous invite carrément là. Oui, mais ça me fait chier en fait parce qu'il s'y attend. Il sera en fait. Pas, il sera pas. Hein. Oui, Miller. Non, il sera pas. En fait, là, il sait que si on se prend. T'es mis à pied? Non, en fait, les gars, là, sort, je suis encore là. Soit il fait comme si de rien n'était, genre il se rend là-bas et il sait qu'il va prendre prison et juste pour un bon moment. Feu, on veut tout ce qui est illégal. Soit il va tirer là-bas et il sait que si c'est neutralisé, bah malheureusement, il. Peu de chances de s'en sortir. Et soit est-ce il s'enfuit. Une unité qui peut juste aller devant le quartier des Riffas pour voir s'il y a du ouais. S'il vous plaît. Juste les armes à feu ou tout ce qui est illégal? De quoi? Bah c'est une perquisition, on prend tout ce qui est illégal. Tu veux qu'on prenne tout? Oui mais c'est Miller qui demande. On veut tout. C'est une perquise quoi, normal. On veut les humains surtout hein. Bonne perquise. Aussi ouais. Mais par contre je veux vraiment passer rookie. Et du coup je suis vraiment passé rookie. Ouais, mets ton chapeau d'ailleurs. Ah ouais merde.
là. Et bah go préparer du coup. Hein. Il y aura les mandats pour ce soir ou pour demain du attends, coup attends, je l'appelle en FaceTime. Ça va être bien compliqué quand même. Okay. Attends, je l'appelle en FaceTime, comme ça s'il y est au pire, on y va. Hein. Après, tu vas jouer un jeu ou pas, les gars? T'es bah, où, là, parce que je sais pas, les gars, je sais pas en vrai. On verra, on verra. Ok, ça marche, bah vas-y, on arrive. Bah, il y est. Bah, il, va. Le papier, il nous faut le papier avant. On peut l'arrêter lui et faire le papier après. S'il est demain, non, vous en pensez? Non, faut le papier avant comme ça. Et s'il casse les couilles avec son avocat, si on ne si l'a pas présenté avant. En vrai, repose-toi. C'est de procédure. Ça va être compliqué, non, les gars, je me lève à 5h. S'il est devant, on rentre, on l'arrête. C'est déjà dans 3h là. Hein. Le temps que je rentre chez moi, que je fisse ma valise. Ou pas 42. Et vous pensez pas qu'il est un peu tard là pour faire la il descente? Il est en train de non, faire non, jamais assez tard. Il est jamais tard pour une descente. Ah ouais? Non, non, on fait pour moi, on fait pas une. Ah ouais? Ouais, t'as raison. Oh, oh, bah, c'est très bien, sinon ils vont s'y attendre et ça va être chiant. Et, s'y et d'autant, hein. Plus, d'autant plus. Oui, venez, mais venez, venez, on parle en descendant. Si on, si, on, si on leur laisse le temps, ils vont avoir le temps de bouger des trucs. Mais le truc étant, c'est qu'on va ils se dire, des, ils vont pas venir maintenant. Des lances pyrotechniques, mes couilles là. Non, non. Capitaine, je suis encore là la descente ou là je dois faire. Tu peux venir sur la descente, après tu t'en vas. Ok. Avec ton beau chapeau là. 69, j'annule mon 10-10. Le test du QI, faut vraiment que vous le fassiez. Chapeau de tête de neuil. Y'a pas de soucis, pas de soucis mon commandant. T'es pas mis à pied? Neuil, réveille-toi. Si, je suis mis à pied juste après. Pas encore. Tu l'as ou pas? Ah oui, je l'ai. Il est incroyable le réveil. Bah oui, je l'ai. Neuil. C'est donc ça le haut gradé. Putain, j'aimerais trop être haut gradé avec vous. J'espère sincèrement que c'est pas mes agents du Nord qui ont fait des. Bonhommes de neige. Alors, des bonhommes de neige là. Non, c'est pas nous. Peut-être qu'ils découvrent la neige. Messieurs, capitaine. Messieurs, dames, on va aller à la colline, on va récupérer le plus de rifa possible, d'accord? S'ils coopèrent, on fait ça en douceur. S'ils coopèrent pas, on les arrête. D'accord. Ok. Merci, capitaine. Et réveillez-vous la gueule là, s'il vous plaît. Allez, tout le monde en ligne, tout le monde en ligne. Au salut, on se dépêche. Allez. Ça s'appelle là. Non, pas général. Ceux qui sont en PDP, ça suffit là. Bobby, Ivy, tout le monde. Allez, faut pas laisser la ville hors de contrôle non plus. Passe-moi en ligne. Là, on est assis là. Capitaine, là. Là, avec les autres là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rizzo, on va ensemble? Ça fait un agent du Nord. Capitaine, mais récompensé, vous pensez que. Les plaques immatriculateurs, ça a été checké ou pas? Et c'était à qui? Je sais pas. Live IRL demain. Bah non, normalement j'ai prévu un petit live IRL. Bugsy journaliste. Une voiture. Une autre buff. Oh, let's go. Ma chance. Conduis pas, collègue, un beau bien comme t'es mineur. Incroyable. Je suis pas mineur. Bon, c'est pareil. Je vais chez. Ouais, je vais. Après Marseille, je vais à Bordeaux. Inch'Allah. On est radio 1 pour l'instant. Et l'autre, j'ai pas eu le fichier. Toutes les personnes ici, on passe du coup sur la radio 3. Radio 3, ceux qui sont là. Oui. Bien pris, 91. Privet, ah. Alors, Pénès, ça dit quoi? J'ai pas entendu ton retour. Bah, c'est propre, hein, mais tu veux conduire? Ouais. S'il te plaît. Purée. Le juge, j'ai pas encore arrive, été viré. On a l'info de combien de temps il arrive, le juge? Non, il arrive là. Eh, bien vu, tu m'as défendu, hein. Merci. Eh, tu m'as défendu de baiser. De rien. Nickel, Miller. Monte avec ça. Avec moi, félon gauche. Sergent, je reste à côté de vous avec le 4x4. Écoutez-moi. Mais tiens, j'ai pas mal, Miller. Oui, reste à côté de moi. Je vais être lead opération. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous taire et m'écouter là? Eh, vous êtes radio 3? Ouais, radio 3. Ok. Là, le but, c'est pas de faire une perquisition, d'attraper du matériel ou quoi. Le but, c'est de frapper les rifas, d'accord? Vous avez dit quoi, Riff? 4. J'ai dit, le but, c'est pas d'attraper du matériel. Ah, je suis ok, les gars. C'est pas grave, mais allez. Le RP, je m'amuse, moi, je m'en fous, les gars, du grade. M'en fous même du personnage. Et si, messieurs, dames, ils se foutent trop de notre gueule, là, on fera la petite perquise derrière. On répète, tout le monde, arme en main. 10-4. Il manque vraiment beaucoup de 10-4 avec toutes les unités qui sont en radio, là. 10-4, capitaine. Sur l'opération, on veut une radio clear, d'accord? Aucun call inutile, que les calls ultra importants, et c'est tout. 10-4. 10-4. Riz, vous avez le lead d'opération. Du coup, je vais entendre que Riz sur l'OP. J'aime bien quand il est arrivé comme ça, Cole. De toute façon, chacun sait ce qu'il a à faire, essayer de prendre les alentours du quartier. Histoire qu'ils puissent pas fuir. À ce trouve, ils sont pas là. Hein. Moi, je pense qu'ils seront pas là. Ouais. Eh ben, option 3, s'ils sont pas là, eh ben, on retourne toutes les chambres là-bas, tous les apparts. Ok, ça marche. Voilà. On a les mandats du coup et tout? Bah, je crois, ouais. Bah, c'est le dos du capitaine, ça. Ouais.
Bonne nuit, Ok, avant Hussein. Qu'on y aille, ce que je voudrais, c'est que y ait la moitié qui prenne la première à gauche et l'autre moitié qui aille droit là jusqu'au LTD et qui arrive par l'autre côté. De droit LTD. Voilà, nickel. De gauche en attente. Impeccable. Il bombarde le 4-4, hein. Vous dites quand vous êtes au niveau du LTD, comme ça on avance un temps, d'accord? Coupez-vous, Giro. Coupez les Giro. Coupez. Même les codes 2, voilà, parfait. Voilà. Faites le déco, on vous laisse vous le décompter. Il y a un dossier décentrifa. Il y en a un qui a des Giro. On est arrivé au LTD, on vous attend. Ok, c'est bon, on est au LTD, hein. Allez-y, avancez, quartier Rifa. T'en fous du LTD. Allumez vos Giro. Incroyable, les gars, incroyable. Ils sont devant. Ah ouais, de fou. Ok, bon, on encercle et on les arrête, hein. Armement ou pas, collègue? Ouais. Oui. Allez, cool, à vous de jouer. Oui, oui, oui. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, est-ce que vous pouvez vous mettre contre le mur, s'il vous plaît? Si. Ah, ils savent déjà? Merci Simon, pour 13 mois. Bien, sur vos appuis, monsieur Dama. Il y a des agents qui s'approchent là auprès des RIFA. Barbe ta gueule, Mariano. Circulez, circulez, monsieur. Les collègues, mettez les menottes, s'il vous plaît, je n'en ai pas beaucoup. Ouais, menottez-les. Ok. On les met à tous? Ouais, tous. Oh, le bruit est satisfaisant. Oh, les gars, écoutez. Ah, oh, doucement! Oh là pas, ils sont pas trop serrés. Capitaine, Loulou, capitaine. Quoi, capitaine, je vais chercher un bus. Pourquoi? Pour les rentrer. On a ces véhicules, pour tu les prendre? Ouais, c'est ça. Je prends un bus en rapide, non? Je pense, de par deux, oui. Ouais, y'en a un poste. Il s'appelle comment le nom du véhicule? On va aller chercher, on va aller prendre un bus, Chris, t'inquiète pas. Vous récupérez un bus, hein? Ouais. Venons, on y va, capitaine, non? Attendez, Bichou, le nom du bus, c'est le coach 2. Vas-y, j'y vais. Dans le garage. Excusez-moi, je récupère votre véhicule, monsieur. Oui. Ah, ok, pardon. Le coach 2. Moi, je suis coach. Oui, tu es coach. Tu m'emmènes où, là? Ah, d'accord. Il est rangé là. Ok, ouais, j'ai capté, d'accord. Ici. Ok, on a mis le pouvoir. Ok, mais ouais. T'arrives pas à monter? 42 a toujours été mon rêve, s'il te plaît. Ah, tu veux le continuer? Oui. Oui, ça a toujours été mon rêve, 42. Mais pas de bêtises, hein. Ouais, non, ça y est, j'ai bien compris la leçon, là. Super. Ouais, non, les gars, y'aura pas de bêtises, les gars, y'aura pas de bêtises. Quoique! Je commence à m'exciter, les gars, là! Waouh! Ça flingue. Attention, les collègues! Il fait trop peur, Cole. C'est quoi ce bus de zinzin? Ça marche, bah allez-y. Hein. Allez, s'il vous plaît, on va rentrer un par un dans le bus. Par toi, un par un, allez. Allez, salut tout à gauche et vous faites. On commence du gauche par la droite. Attendez, avant qu'il y aille, je veux vous vérifier les identités. On n'embarque pas des gens pour rien, s'il vous plaît. Mais là, ils ont tous des menottes là, c'est compliqué. Ouais, mais tu vas aller fouiller, tu vas prendre leur carte d'identité. Juste les Rifa, pas les habitants, pas leurs potes, pas leurs cousins, pas leurs. Ceux qui habitent dans le coin, on a pas tous. Ouais, juste les Rifa. Ouais. Je vais aller jusqu'au bus pour leur identité, ceux qui sont bons, je les fais monter, ceux qui sont pas bons, je les fais. Allez-y, on fait ça, madame. Ok, bah venez, on va faire la queue le du coup. Je peux te prendre, juste un décalage. Ok, j'avance comme ça, je vais faire ça avec vous. Ok, on va faire plus simple, s'il vous plaît, taisez-vous. S'il vous plaît, vous m'écoutez? Oui. On va faire l'appel des Rifa, ça va aller plus vite. C'est Diego Mona. Attends, remettez-les en ligne, S'il vous plaît, allez-y, mettez-vous contre le mien, merci beaucoup. Non, mais remettez-les en ligne, s'il vous plaît. On va. Ceux à qui on va dire le nom, vous allez juste avancer. Ça va être. Est-ce qu'ils ont leurs armes sur eux, les gars? Benito Del Sagado. Oui. Ils ont pas leurs armes, hein? Damian Zacharias. Allez dans le bus. Fais dans le bus direct. Ils ont tout déposé, hein, les gars. Diaz. Enrique Da Cruz. Il Medina. Ils ont tout déposé, les gars. Donc en fait, ils s'y attendaient. Luciano Divares. Enfin, comment dire? Martin Sopkins. Hmm. Je comprends pas leur plan, là. Alvaro Mendoza. En fait, on n'a pas de preuve que c'est eux, tout simplement. Les gars, tout simplement, on n'a pas de preuve. Pas, moi, hein.
C'est pas une rifa, hein. Je suis pas rifa, hein. Ça y est, Reyes. Et vous serez amené à l'intérieur. Mais pourquoi on rentre en marche arrière, les cons, quoi? Avance. Je peux y aller. Attendez, attendez, vous là, restez là un peu, restez là. Venez vers moi, vous, monsieur le Durag, s'il vous plaît. Je peux y aller. Oui, du coup, on va juste les faire dormir la nuit. Bugsy, passe-moi un test de poudre, s'il te plaît, Bugsy. Ah, j'en ai pas, je te jure. En vrai, j'avais même pas envie de faire de la crise. Un test de poudre, collègues. Un test de poudre, collègues. Vous avez pas de place au PDP, je pense. Tu peux m'en donner un, s'il te plaît. Allez, faisons ça. Attends, on s'en fait ça. Ok. T'es la boss. T'as le boss aussi. Tu prends la conduction du bus. Ouais. Vas-y, parfait. Attendez avant de monter. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est bon, arrêtez. Ça va pas. J'ai une fois que je mange. Voilà, attendez. Je fais un test de poudre, monsieur. Et du coup, les agents. Allez-y, montez, allez-y, allez-y. Si vous savez qu'il y en a d'autres, c'est bon. Vas-y, allez-y. Bijou, monte, faut que tu montes avant eux. Ah, vas-y. Attendez avant de monter. Voilà. Témoin, ça va pas calculer. Toutes les personnes appelées doivent se présenter à l'entrée du bus. Donc, il est négatif au test de poudre. Ils ont juste pas tiré en fait. Eh, sous crédit Berra, bleu! Ils ont tous été fouillés! Second bus! Second bus! Vous avez juste entendu! Ils n'arrivent pas à monter! Y'a plus de place dans le bus! Second bus! Trop drôle, bus! Eh putain, mais c'est pas volé, bordel de merde! Il va y en avoir deux! Les personnes appelées sont invitées à se présenter au niveau du second bus! Y'a plus de place, les gars! Attendez le second bus, les gars, c'est pas grave, y'aura un deuxième! Attention, monsieur qui colle là avec le Louis Vuitton là! Et là, il est bloqué, je crois, le pote! Attends avant de partir, un bijou. Ouais, non, je me mets juste à côté pour qu'il y ait la place du bus. Putain, c'est dommage, y'a pas Kiko, il ramasserait la savonnette lui. Quoi? Bon, je vous enferme, hein! Bah, allez-y, allez-y. S'il y en a d'autres qui montent, faut que tu montes avant eux. Ah, d'accord. Non, mais y'avait pas d'autres collègues. Il est blindé le bus. Non, il est pas blindé, je crois. Mais non, regardez, vas-y, regarde, je vais monter, essaye de monter. Non, les vides sont pas du tout par balle, hein. Vraiment, on tire dedans. Putain de merde. Monte, 42. Je n'arrive pas à monter. Voilà. Regarde, vas-y, 42 monte maintenant. Tu y a plus de place que 42. Ouais, y'a pas de place. Là. Oui. Bon, je vais faire ma clé, hein. Mon petit frère. Attention à vous, les gars. Jairo, préviens la famille. Jairo, j'ai pas de potes, pas de famille. 90, t'es où? Ok, bon, on va dans vos véhicules là, prenez les derniers qu'il faut et on va les ramener à Brolinbrook, hein. À Brolinbrook, les gars? Mais putain de merde! C'est qui là pas laver les pieds là de toute façon? Attendez, collègue! Mais putain! Tu sens en train de le tuer lui, hein? Oh mon dieu! Oh, on va faire un accident là, les collègues! Super, on espère que tu meurs le premier, bâtard! Pourquoi autant de haine? Tu mérites que ça! Hey, la vie de ma mère, je suis un rifa, t'inquiète pas! Allez, on monte dans le véhicule! Alors je rigole, ma bite! Putain! Rentre dans un véhicule! On ne doit pas prendre les habitants, mais d'accord, on est les. Putain, Bobby, une poulaine, connais pas le rôle là. J'espère qu'il meurt. Là, on est dans vos véhicules, s'il vous plaît, on va direction Bowling Brook. Vas-y, Simon. Faites juste ce qu'on vous dit, s'il vous plaît, les collègues, vous en avez beaucoup. Plus 4. Ah, prenez pas d'initiative. Ok, on part direction sud-est là. Avance un peu. C'est bon, tout le monde est dans les voitures? 10-4. Allez, bon, on y va. 10-4. Deux unités devant, deux unités derrière le bus, une de chaque côté, et deux unités en électrolyte, s'il vous plaît. C'est quoi cette musique de con là? 4-4, on va se mettre devant. Si le scout vous plaît, on est électrolyte. Je mets devant nous. Ok. Elle rit pas là, calmez-vous là, les révolutionnaires, c'est bon, on a compris. Non, on se calme pas, non. Bijou, tu réserves à moi, tu me donnes le riz. Bijou, bah. Ouais, c'est toi qui me colle en gros. Bah, c'est pas moi d'aller doucement, les collègues, ça vous d'aller vite? Ouais, non, t'inquiète, il est vite, je m'en donne le riz. Bah oui, bah. Attends, mais. Ouais, incroyable le bus. Ouais, non, continue à gauche. Ah oui, collègues, sont partis à gauche. Non, tu fais n'importe quoi, collègue. Non, mais masterclass le bus. Fais n'importe le frérot en face. Le 4x4 qui est derrière là, qui sait pas trop quoi faire, tu fais en sorte que les bikers ils se rapprochent pas trop, s'il te plaît. On s'en occupe à 42, on s'en occupe. C'est simple, hein, ils suivent. Le 4x4 à ma gauche colle vraiment quand il y a un danger. Tout à l'heure, sur la BO, ils étaient à côté, et là ils sont encore à côté pour pas pousser mes bonnes résultats. Vous pouvez les prévenir, hein. S'ils veulent qu'on les amène aussi, on les amène.
Bolingbrook. Ouais, on va à Bolingbrook si on arrive vivant, les collègues. Attends, mais du coup, ils vont voir quoi, du coup, les Rifa, les gars, là? Je comprends pas. Qui arrive à pleine vitesse à l'arrière du convoi. Vous êtes pas meilleur. Arrêtez. Je sais vraiment pas. Non, c'est lourd, oui. Attention, je coupe un peu là. Petite. Tu vas en prison? Je te jure que je comprends. Putain, j'aurais pas dû prendre de la cocaïne avant mon service là. Hein? T'as dit quoi, Bijou? Bah, non, rien. Martins, c'est du capitaine, tu vas quand même là-bas. Tu vas en prison? Ouais, les gars, je comprends pas. C'est vous? On ne fiston. Le attention, le calcade, j'avance un petit peu devant. Je suis pied plancher là. C'est plus un melon là, c'est une pastèque. Ouna, trop drôle. C'était pas mal ça là, mais elle revient plus jamais. Hein. Merci Faizizi pour le. Faizizi, pardon, je suis en ouf. Faizizi. 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 Merci mon ref. Si je viens, c'est pour ta nuit. On va en prison là, les jeunes. Hein. On avait compris, là, maintenant. Parce que je vois, vous êtes heureux, là. Que le début de la fin. Que le début du début. Pleurez un peu, soyez triste. C'est la fin du début, c'est ce que je voulais dire. Bien. C'est la fin du début. Merci Zoglax. Ah, je suis perdu, cassez pas les couilles. Hein. Je suis une nouvelle. Parfait le rythme, les collègues. J'aime les couilles. Hein? Tu as vécu le 4-4 action. Madame 77, t'es arrivé jusqu'au fond. Oh, c'est qui de la POV, hein? J'ai les grelots, ils sont gelés. 4-4. Les grelots. Mettez-vous en ligne dans la truc là, ici là. Les collègues, s'il vous plaît. Le 4K, tu lui dis de mettre en ligne, il se met à gauche. La Buffalo, tu peux revenir à ma droite, hein, c'est parfait. Reste en première personne. En fait, si je reste en première personne, les gars, je verrai pas les collègues. Cette pub, mais quoi, les gars? Mais n'importe quoi, qui. Merde. Désolé les gars, je fais. Hey, fin de soirée, on finit en mode sérieux un peu, non? En vrai, chat. Enfin, mode sérieux, enfin tranquille, genre on chill. Comme ça, faut pas que je surenchéris déjà qu'ils m'ont laissé une faveur, on va dire. Même si je m'en bats les couilles d'être viré, faut quand même montrer un minimum de respect. En prison, les hermano. En prison. Putain de merde. Attendez avant de descendre, attendez. Derrière. Je fais un bon créneau des anciens. On a payé pour. Rentre, et... Ok, bien réussi. Ça va calmer les choses. C'est pas si mal. Rentre en marche avant, hein. Qu'est-ce qui branle, mais qu'est-ce qui. Non, il y a une vidéo. Hein, ferme ta gueule. Mais comment ça, qu'est-ce que je branle? Mais c'est pas par là, hein. Moi, interceptez les bikers là pour qu'on travaille une personne de police, s'il vous plaît. Attends, il fait quoi? Je sais pas, il est bourré, hein. Faut lui investir ça avec des kétamines dans les yeux. C'est lui qui va nous tuer. C'est son seul but. Bon allez, bonne soirée les collègues d'Isis. Portez secours, allez faire tout secours là-haut.